سلمى اجي. L'expérience e-conférence est juste unique. Honestly, I would recommend e-conferences to any international business seeking opportunities in Africa. It's a very good platform. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer tous les acteurs africains de la transformation. J'ai rencontré tous les acteurs clés, que ce soit des gouvernements, des banques, des opérateurs privés et des fintechs 100%. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Africa Digital Expo Live, organisée en partenariat avec Dell Technologies. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, Digital Africa Live est la plateforme de débat en ligne du groupe e-conférence, organisateur de forums B2B en Afrique francophone. Je suis ravie d'ouvrir ce débat virtuel et vous souhaite la bienvenue à cette session sur le thème « Cybersécurité, comment protéger les données des citoyens ?» En effet, avec l'effervescence digitale et la transition accélérée des États vers le numérique, la protection des données des citoyens s'impose aujourd'hui comme une nécessité absolue pour un passage fluide vers des digital nations. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui plusieurs experts représentant plusieurs pays de la région. Madame Mélanie Bénard-Croza, Monsieur Louis-Germain Baki, Monsieur Wanilo Jérôme Médégon-Fagla, Monsieur Naufel Saoud, Monsieur Chrysostome Kumbi Samba, ainsi que Monsieur Séné Mbaye. Et vous remercie d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette table ronde virtuelle afin de partager avec nous votre vision et retour d'expérience. J'invite l'ensemble des participants à interagir avec nos panélistes en posant vos questions sur la rubrique Q&A ou la rubrique Converser qui se trouve en bas de la plateforme Zoom. Mélanie, je te donne la parole pour animer ce débat qui s'annonce déjà très riche et vous souhaite une excellente webconférence.
Merci beaucoup, Khadija. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs, ravis de vous retrouver et de vous accompagner lors de cette session qui, nous, comme vient de le rappeler Khadija, va nous amener à évoquer la thématique essentielle de la cybersécurité dont on parle sur la planète entière aujourd'hui. Et force est de constater que les attaques nous poussent à prendre de plus en plus en considération cet élément stratégique pour le développement de nos sociétés futures. Chacun de vous, dans les pays que vous représentez, mais évidemment plus largement dans le monde, et je le disais à l'instant, vous vous orientez vers la création des Digital Nations. On en parlait sur l'une des conférences Africa Digital Expo précédemment, des Digital Nations qui vont s'appuyer notamment sur des smart cities, des territoires intelligents, des territoires connectés, et tout cela ne va pouvoir fonctionner que grâce à des flux de données qui sont de plus en plus importants. Et on le voit au XXIe siècle, le surnom arrivé de l'or noir que représentent ces données, sauf que contrairement au pétrole, elles semblent inépuisables. Et ça, c'est aussi un enjeu. Alors ces données, il va falloir évidemment les exploiter, les valoriser pour que ces nouveaux projets tiennent toutes leurs promesses, mais il va falloir aussi les sécuriser. C'est un enjeu majeur puisque la cybersécurité, je crois que la prise de conscience est unanime, représente aujourd'hui le pilier de la confiance numérique, et c'est aussi un appel à vœux très fort qui est demandé par l'ensemble des citoyens autour de cette protection des données, protection de la vie privée, mais aussi des libertés publiques. Un élément sur lequel nous allons revenir, essayer de comprendre où en est-on dans chacun de vos pays, dans la prise en compte et la prise de conscience de ces éléments stratégiques, dans les différentes lois qui sont aujourd'hui portées, dans les projets que vous conduisez, dans les axes de coopération que vous développez. Bref, Khadija l'a dit, un débat riche et passionnant, j'en suis certaine, et nous avons donc le plaisir de l'ouvrir avec vous, messieurs, qui vous êtes mobilisés pour être à nos côtés. Donc, à nouveau, merci de votre présence. Et je vous propose que l'on débute peut-être cette session. À la clôture, le public va prendre part activement, puisqu'on le sait, la communauté Digital Africa Expo est très dynamique et donc nous avons toujours énormément de questions. Alors, on essayera de répondre au maximum d'entre elles. Vous les voyez d'ailleurs apparaître, donc vous pouvez aussi y répondre directement si elles vous sont personnellement adressées. Je vous propose qu'on fasse un premier état des lieux de cette prise en compte de cet enjeu de protection des données dans les différents pays que vous représentez. Si vous avez également des informations sur des pays voisins ou avec lesquels vous êtes en coopération active, n'hésitez pas à les partager puisque nous ne pouvions évidemment pas avoir l'ensemble des pays représentés parmi nous. Donc, vous pourrez être aussi le porte-parole de vos confrères. Est-ce qu'aujourd'hui, cet enjeu est devenu central? Est-ce encore accessoire? Premier élément de réponse, et on peut peut-être aller voir ce qui se passe au Sénégal, si vous en êtes d'accord. Monsieur Mbaye, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on vous voit. Bah, merci pour le privilège donné au Sénégal. Alors, que se passe-t-il au Sénégal? C'est central ou c'est accessoire? Alors, je ne vais pas répondre directement par dire que c'est central ou accessoire. Je risque de me faire taper sur les doigts. Mais déjà, je vais commencer par dire que un maxime qu'on connaît tous, hein, c'est quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Donc, je vais commencer déjà par ça. Ensuite, je vais reprendre aussi le terme de colonialisme numérique qui est utilisé par le professeur Solange Guernotti, où des acteurs informationnels nous prennent nos minerais informationnels, ils les transforment et nous les revendent sous forme de services plus chers, sans payer d'impôts, dans les pays où ce minerai est extrait. C'est exactement ce qui se passe avec les données personnelles. C'est-à-dire, les gens, ce qu'ils doivent déjà comprendre, c'est que nos données personnelles ont de la valeur et que nos données personnelles également ont un prix et sont vendues à l'heure où on est en train de parler. Voilà, pour déjà se mettre sur le cadre. Alors, pour le Sénégal, qu'est-ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui? Alors, ce qui se passe au Sénégal, je vais le décliner en trois axes. Le premier axe, c'est l'axe réglementaire. Le deuxième axe, ça sera l'axe institutionnel. Et le troisième axe, ça sera l'axe organisationnel. Donc, pour ce qui est du premier axe, à savoir l'axe réglementaire, je vais prendre au niveau international. Le Sénégal est signataire de la Convention 108 du Conseil de l'Europe de 1981
c'est une convention, certes européenne, de l'Union européenne, mais qui est ouverte aux pays africains. Et le Sénégal l'a ratifiée en 2016. Le Sénégal a également ratifié la convention de Budapest. Ça, c'est sur le plan international. Au niveau du continent, on en parlait tout à l'heure de la convention de Malabo, de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, qui a été signée que par 12 pays et ratifiée par 7 pays, dont le Sénégal, la Namibie, le Ghana, la Guinée, le RD Congo, l'île Maurice et en 2021, en juin 2021, je crois, juillet 2021, si je me rappelle, le Togo. Donc, ça, c'est au niveau continental. Il y a également, au niveau régional, on a l'acte additionnel de la CEDEAO de 2010 qui est relatif à la protection des données personnelles, dont le Sénégal est également signataire. Et le dernier point, c'est la loi 2008-12 du 15 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel qui a débouché sur la création d'une commission autonome de protection des données personnelles. Donc, au niveau réglementaire, sur le plan international, il y a des conventions qui sont signées. Sur le plan régional, il y a également l'acte additionnel qui est signé. Et sur le plan continental, la convention de Malabo a été signée et ratifiée. Et au niveau national, aujourd'hui, on a des lois sur la protection des données personnelles et on a une commission chargée de veiller à l'application de cette loi. Alors, ça, c'était sur le plan réglementaire. Si je vais sur le plan institutionnel, on a plusieurs institutions qui existent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Commission nationale de protection des données personnelles. Alors, cette commission, c'est une autorité administrative indépendante qui dépend de la loi 2008-12 de janvier 2008 et dont le rôle est de garantir l'application de la loi sur la protection des données personnelles. Donc, il a trois rôles. Le rôle de veille et de sensibilisation, le rôle d'instruction de dossiers et le rôle de contrôle et d'investigation. Pour vous raconter une anecdote sur le sujet, récemment, il y a une vidéo qui a été publiée de l'arrestation d'un député. Et le député, lorsque la vidéo a été publiée, il a pensé directement à porter plainte à la commission de protection des données personnelles, parce qu'il s'est estimé que ces données personnelles ont été divulguées sans son accord. Pour vous dire l'état de la prise de conscience au Sénégal de la protection des données personnelles et des droits des citoyens. Ensuite, en 2008, le ministre français Yves Le Drian avait annoncé la création d'une école nationale de cybersécurité, tout ça sur le plan institutionnel. Et cette école avait pour objectif la formation d'experts en cybersécurité, le renforcement de la coopération africaine, franco-africaine en matière de sécurité et de défense et la création d'un pôle de référence Afrique cybersécurité au Sénégal. Il y a également, au niveau de la gendarmerie, une division de lutte contre la cybercriminalité qui est chargée de jouer le rôle de gendarme pour veiller à ce que les droits ne soient pas bafoués. Et je vais terminer sur le plan organisationnel pour dire que, au niveau organisationnel, le Sénégal se dotait depuis 2017 d'une stratégie nationale de cybersécurité, ce qui est appelé SNC 2022. Et qui repose sur 5 objectifs stratégiques. Le renforcement des cadres institutionnels et juridiques, la protection des infrastructures critiques de l'État, un sujet très important, la promotion de la culture de la cybersécurité, le renforcement des capacités et des connaissances techniques dans tous les secteurs, et la participation aux efforts régionaux et internationaux en matière de cybersécurité. Donc, ce plan, j'ai lu les bonnes feuilles, et ce plan est décliné en 12 projets prioritaires, avec un budget de 3 milliards 198 millions. Donc, pour vous dire que ce n'est pas accessoire, il y a une prise en compte. Par contre, ce que vous aurez dû remarquer, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs institutions dont les rôles s'entrechoquent et dont les rôles ne sont pas clairement définis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la prise de conscience des citoyens qu'ils doivent avoir la maîtrise sur ces données personnelles. Et la troisième chose, un élément important qu'on a oublié, c'est l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en matière d'obligation pour les entreprises dans le traitement des données personnelles? Donc, je pense que ce n'est pas accessoire, c'est pris en compte, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Bon, je donne la parole aux autres. Je l'ai assez monopolisé. Je pense que j'ai répondu à votre question et aux besoins, n'hésitez pas à me relancer. Parce que
que j'ai beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Effectivement, vous avez dressé un panorama assez complet hein, de ce qui est mis en place et c'est ce qu'on a bien compris. Les choses avancent, ça bouge, on voit que ça se structure. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que compte tenu de l'évolution de la situation, et que ce soit au niveau du continent africain, mais évidemment au niveau international, il va falloir s'adapter et réagir en permanence sur ce sujet. Ce qui est mis aujourd'hui en place devra en permanence réagir en mode agile, comme diraient les ingénieurs. Exactement. Et ça, ouais. Ça fait partie aujourd'hui, je pense, de notre nouveau quotidien qu'il va falloir aborder. Je vous propose qu'on fasse un point peut-être avec le Bénin. Monsieur Mendegan Fagla, si vous voulez bien nous présenter ce que fait donc votre pays en la matière. Alors, vous représentez l'ANSSI, donc en soi, on a déjà compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi au Bénin. Vous allez prochainement, normalement, ça a été soumis à l'Assemblée, ratifier la convention de Malabo, mais peut-être que vous aurez des informations plus précises à nous communiquer. Il y a également l'équipe nationale de réponse aux incidents, le CIRST, et ça, c'est aussi très important d'un point de vue évidemment très opérationnel. Puis la question des entreprises, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'elles font évidemment partie, comme les citoyens, de cette chaîne cybersécurité. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut faire un point de la stratégie cyber au Bénin? Très bien. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, globalement, au Bénin, donc, pour accentuer, en fait, pour expliquer le besoin, c'est que le gouvernement a voulu s'appuyer énormément sur le numérique dans tous les secteurs, pour redynamiser son administration, redynamiser le service qui est offert aux citoyens et même l'exécution des projets. Donc aujourd'hui, quasiment plus aucun projet n'est pensé sans le numérique. On veut faire du microcrédit, on le transforme en numérique. On veut faire l'optimisation de l'agriculture, on pense au numérique. Donc finalement, le numérique s'est retrouvé dans tous les secteurs et il était nécessaire, n'est-ce pas, d'adresser la question de l'écosystème et de l'environnement où ces projets allaient donc éclore. Et dans cette volonté-là, on n'a pas oublié la cybersécurité, on n'a pas oublié la protection des données personnelles, on n'a pas oublié la lutte contre la cybercriminalité. Et tout ça s'est retrouvé au sein d'une loi qu'on appelle le Code du numérique, qui a été promulgué en 2017. Et donc, c'est un code en 6 livres et qui a plus de, je crois, 650 articles. Donc, il traite vraiment de plein d'aspects de tout ce qui est numérique, dont la protection des données personnelles, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. On a au Bénin un fléau, par exemple, qui est la cyberescroquerie. Je ne reviens pas sur les contextes, mais en tout cas, désormais, les gens qui disent la loi, en fait, qui appliquent la loi, ont des outils bien précis pour qualifier les crimes de cybercriminalité, autant de piratage cybernétique que d'escroquerie via les outils numériques. Et donc, grâce à ce code, il y a eu la formalisation de l'autorité de protection des données personnelles, qui est le régulateur, n'est-ce pas, de la donnée personnelle et qui s'assure que le citoyen reste propriétaire de sa donnée. Il y a eu la création de l'ANSSI, donc qui est l'agence nationale en charge de la cybersécurité et dont le rôle est vraiment de veiller au niveau de sécurité au niveau national, de réglementer la cryptologie, de participer à la lutte contre la cybercriminalité. Et aussi donc le renforcement institutionnel de l'Office central de répression de la cybercriminalité, ainsi que des cadres de partenariat entre toutes ces entités-là qui désormais sont appelées à travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, pour harmoniser un peu toutes les actions qui allaient autant dans le sens des données, de la protection des données personnelles, de la lutte contre la cybercriminalité et de la cybersécurité, on a adopté en 2020 une stratégie nationale de sécurité numérique, donc qui couvre 5 axes. Et j'ai été assez heureux d'entendre Monsieur Séné exposer les axes de la stratégie du Sénégal, parce que je ne cesse de répéter que dans notre région, nous avons quasiment tous les mêmes problèmes et que les axes sur lesquels il faut qu'on aille vont quasiment être tous les mêmes. Donc au Bénin, la stratégie nationale se décline sur 5 axes. Donc les 5 axes sont: le premier, c'est la protection des systèmes d'information et des infrastructures critiques, donc au sens autant privé que public. Le deuxième axe, c'est la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement du cadre juridique et réglementaire. Le troisième axe, c'est la promotion de la confiance numérique.
pour, n'est-ce pas, accélérer la transformation digitale et emmener, rassurer les citoyens dans la mesure où toutes les dématérialisations qui se font gardent une valeur où ils restent en sécurité. Le quatrième axe, c'est le développement des compétences et de la culture en cyber, en sécurité numérique de la population. Et pour finir, c'est la coopération internationale et la coordination nationale. Sur cet axe, où je vais expliciter un tout petit peu, il s'agit donc d'intégrer la lutte au niveau régional, au niveau international, au travers de l'adhésion aux conventions. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec le Conseil de l'Europe et sur la Convention de l'Union africaine, qui effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, pour la Convention de Malabo, le Bénin est signataire, et pour la Convention de Budapest, le Bénin a un statut de pays observateur, et les projets de ratification sont aujourd'hui à l'étude au niveau de l'Assemblée, et il y a un lobbying de l'exécutif qui, pour former les députés, les députés au bienfait de ces conventions-là, à ce que ça peut apporter pour le Bénin. Donc, nous avons bon espoir qu'en début de l'année prochaine, à venir, lors de la première session parlementaire, que les ratifications soient effectives. Donc, il y a aussi l'adhésion aux différents groupes d'expertise, GFCE, ITU, First, Africa Cert, etc. Mais il y a donc aussi dans cet axe la coordination nationale avec toutes les entités de l'écosystème, autant au niveau gouvernemental, donc le ministère, les agences d'exécution du numérique, les organisations de la société civile, le FGI, la BCPM, l'ARCEP, pour que finalement il y ait une chaîne de commandement guillemets assez claire en cas de crise, et que finalement, même en termes de remontée, de partage d'informations, qu'on soit tous au même niveau, les universités, les journalistes, tout le monde est impliqué. Je vais revenir sur un des axes, qui est les axes un peu plus opérationnels, comme la protection des systèmes d'information, où je veux parler de deux actions, voire trois. La première, c'est la création et l'opérationnalisation du BGC CIRT. Donc, le BGC CIRT, c'est l'équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique. Et ce BGC CIRT, c'est un peu le policier du cyberespace, qui a une mission un peu centrale. Par exemple, toutes les plateformes du gouvernement qui sont lancées sont systématiquement auditées par cette équipe avant qu'on ait un go-live. Et tout ce qui est déjà présent dans l'écosystème est de manière proactive audité, corrigé, surveillé en temps réel par cette équipe-là, qui aussi fait du proactif, c'est-à-dire que dès qu'il y a des vulnérabilités, donc c'est tout ce qui est news and alert, partage d'intelligence, et aussi coopération avec les autres entités. Par exemple, le Bénin a signé récemment un MOU avec la Chine, donc le CERT de la Chine, qui est quand même un CERT central dans tout ce cyberespace, pour le partage d'informations et la coopération dans la mitigation des attaques. Et donc, il y a des partenariats comme ça avec le Burkina Faso, avec la Tunisie, avec l'Africa CERT, avec le First. Donc, on multiplie les partenariats pour être plus fort de nos amis, entre guillemets. Il y a aussi la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, parce que quand on parle, nous, en tant qu'État, de protection des données du citoyen, c'est non seulement mettre le citoyen dans les capacités de protéger sa propre donnée, mais c'est aussi protéger la donnée qu'on collecte chez lui. Et par exemple, un sujet que nous allons discuter demain avec les parlementaires du Bénin, c'est le consentement explicite à l'accès aux données. Parce que nous avons mis en place un bus d'interopérabilité qui permet à l'administration d'aller toucher à l'information là où elle est. Donc, on n'a plus besoin de dupliquer les bases dans tous les services. On a l'information en un seul endroit et grâce à un bus de données sécurisé, on va chercher l'information. Et on est en train de parler avec les parlementaires pour leur expliquer le besoin du consentement explicite du citoyen à cette donnée. Donc, dès qu'il y aura une requête d'accès par un service à cette donnée-là, le citoyen aura une interface pour justement donner son accès explicite. Donc, c'est un peu ce genre de choses que nous discutons. Et on a une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État qui est aussi qui englobe ces questions d'interopérabilité et de consentement explicite au niveau du Bénin. Je ne parle pas donc de la politique de protection des infrastructures critiques, du laboratoire d'investigation digitale et toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu où on en est au Bénin, un peu ce qui se dessinait, ce qui se fait. Monsieur le directeur, on reviendra sur quelques points que vous avez évoqués en préambule, mais on va y revenir plus en détail avec les autres intervenants
aussi. Je vous propose qu'on évoque le Congo pour voir également ce qui se met en place. Et on le sait, beaucoup de choses avec notamment Congo Digital 2025. On en a parlé sur une session précédente. Ça va très vite. Monsieur Baki, vous voulez peut-être nous partager ce qui est fait aujourd'hui en cybersécurité au Congo? Merci beaucoup pour la parole. Je prends la parole pour le compte pour parler de la RDC. Alors, je vous dirais que le pays a déjà intériorisé que numériser sans protéger, c'est vraiment beaucoup très dangereux. Okay? Et pour que le numérique ne rime pas avec un cauchemar sur le territoire national, il convient de créer un écosystème avec souci permanent et sécurité pour tous les acteurs. Donc, depuis très récemment, disons, le secteur des télécoms et des TIC ont été gérés par une loi cadre de 2002 sur le télécom en RDC. Après, cette loi a subi des amendements en 2020, mais elle ne prenait pas toujours en compte les enjeux cyber. Mais depuis très récemment, il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée qui est actuellement au ministère du numérique pour amendement, parce que depuis le gouvernement qui est en place, nous avons un ministère du numérique qui essaie un peu de veiller sur tout ce qui touche au numérique au niveau du pays. Donc, je vous confirmerai que le pays a vraiment pris conscience que nous allons vers le tout numérique et le pays est vraiment conscient que les enjeux et les risques cyber sont présents. En septembre 2018, il y a eu 4 jours des assises, un atelier sur la cybersécurité. Il était question de permettre au pays de faire l'évaluation de sa disponibilité à mettre en place un CERT au niveau national pour essayer un peu de répondre aux incidents de cybersécurité. Donc, c'est ce que je pourrais dire en gros pour le pays. Nous avons aujourd'hui un ministère du numérique qui se charge de toutes les questions numériques et essaie de veiller un peu à toutes ces lois qui seront proposées à l'Assemblée nationale. Donc, ça sera ça en gros. Votre micro, Madame Mélanie. Alors, oui, donc, j'ai été coupée. Oh, que se passe-t-il? On veut m'empêcher de parler sur ce sujet cybersécurité. Chrysostome, peut-être qu'on peut faire un petit point complémentaire sur ce que vous pouvez voir aussi dans les différents pays dans lesquels vous intervenez. Notamment Congo-Brazzaville, on sait qu'il y a un événement qui a eu lieu où on a beaucoup parlé cybersécurité ces derniers jours. Donc, bonjour Mélanie, hein, bonjour Wanilo, bonjour cher panéliste, et puis bonjour cher Jean-Christophe. Ben, écoutez, donc, pour moi, c'est un réel plaisir donc, de participer à ce webinaire. Il faut dire que ça fait depuis 2016, en fait, que je parcours le continent pour essayer, donc, on va dire, de tâter le pouls de ce qui se faisait et puis dans quelle mesure donc, les questions de cybersécurité étaient prises en compte. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis tout à fait satisfait et très optimiste pour la suite, étant entendu que d'habitude, lorsque je fais les webinaires, donc je suis à Paris, mais aujourd'hui, je suis à Brazzaville, au sein de la société SkyTech, donc, qui a été donc, la société promotrice du premier forum Brazza Cyber Security sur les enjeux donc, liés à la cybersécurité. Mais pour ce qui est de la prise en compte et puis la manière dont c'est pris en Afrique, je pense que l'Afrique est sur une trajectoire. Quand je le dis, je pense bien à tout ce qui a été fait et puis tout ce que je constate. Et bien sûr qu'il y a eu la conférence le forum de Brazzaville, mais le forum de Brazzaville s'inscrit en fait dans une logique qui date à peu près depuis donc 2014 avec la mise donc sur l'espace public de la convention de Bamako. Donc, je dirais, donc, moi, pour ma part, en tout cas, j'insisterai sur les travaux qui se sont déroulés à Brazzaville et qui sont donc dans cette logique. Ils sont aussi dans la logique, en fait, de ce qui se passait à Marrakech,
où nous avions eu donc la 10e édition de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique. C'était le 8 et 9 février 2019, à laquelle en fait nous avions adopté la charte africaine de cybersécurité. Donc c'est pour dire que la prise de conscience, elle est là, et l'action aussi en fait, les actions aussi sont suivies. Et quand, de toute façon, il a été dit par mes différents collègues, et en tout cas pour ma part, je différencie bien la cybersécurité de la cybercriminalité. Parce que lorsqu'on parle de cybersécurité, justement, voilà, on rentre dans un concept où on surveille le risque. Donc voilà, mais en tout cas, Bradaville a tenu parole. Les politiques ils sont saisis de la question, et il y a une bonne dynamique qui s'est instaurée, puisqu'à l'issue de cela, on a signé l'acte constitutif de la Fédération africaine de cybersécurité, sachant que avec le numérique tel qu'on le conçoit aujourd'hui et avec les événements qu'on a connus sur la COVID-19 et les événements à venir, plus que jamais, le cyberespace, en fait, devient un espace de conflictualité où, justement, l'information est au cœur des enjeux. À partir de là, ben voilà, c'est chaque acteur qui devrait jouer son rôle. Et pour aussi compléter ce que venaient de dire mes amis, puisque lorsque mon très cher ami Wanilo du Bénin parlait, effectivement, aucun projet en Afrique ne peut être conçu sans le numérique, justement, c'est cela. Nous l'avions dit aussi dans la charte africaine de cybersécurité où nous avions rajouté aucun projet en Afrique ne pouvait se déployer sans la prise en compte du risque cyber. Et plus que jamais au niveau donc de l'Afrique, mais à partir de la déclaration de Brazzaville, nous avions rajouté à ce que nous appelons le numérique de confiance. Pourquoi numérique de confiance? C'est tout simplement parce que à l'évidence, l'Afrique n'ayant pas d'industrie à proprement parler du numérique, et que le risque cyber étant un risque mondialisé, je pense que chacun devrait apporter sa pierre, mais dans le respect en fait des traités internationaux, puis dans le respect des rapports internationaux et dans le respect aussi de la souveraineté des États. Donc, en tout cas, c'est cette dynamique qui s'en est sortie donc du forum de Brazzaville, et assez rapidement là, on se projette déjà vers le forum de Kinshasa, où justement là, dans un élan encore plus que jamais, les politiques devront se retrouver avec tous les écosystèmes du numérique, de sorte à faire que l'Afrique puisse parler d'une seule voix sur ces questions émergentes. Voilà ce que je peux dire à ce stade des discussions. Mais en tout cas, la dynamique, elle est là, la jeunesse, elle est présente, et les politiques sont au rendez-vous. Et pour ma part, ce n'est que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Chrysostome. Alors, beaucoup d'optimisme, et ça fait du bien, parce qu'on parle souvent de situations plutôt anxiogènes quand on évoque les enjeux de cyber. Et donc là, beaucoup d'optimisme. Merci beaucoup, Chrysostome, pour ce message. Peut-être faire un tour maintenant au niveau du Maroc avec vous, monsieur Savoud, et voir un petit peu ce qui se passe. On sait que c'est aussi un pays très engagé, très actif. Merci, Mélanie. Bonjour, tout le monde. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Moi, je partage le même optimisme que mon cher collègue Chris, puisque aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont déclenché cette prise de conscience collective mondiale, mais également au niveau du continent africain. Et si je prends rien que les 18 derniers mois où on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel, qu'on n'a peut-être jamais vécu, en tout cas depuis très très longtemps, cette pandémie COVID-19, elle a ouvert les yeux quand même sur tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des entreprises, et que ce soit également une sensibilisation par rapport aux citoyens déjà. Parlons de manière, je commencerai par des aspects beaucoup plus généraux au niveau mondial, c'est que les Nations Unies aujourd'hui ont mis la cybercriminalité comme étant un des risques les plus majeurs, même sur les 10 prochaines années. Si on remonte le temps, on remonte juste 5-6 ans en arrière, personne ne pouvait prédire que la cybercriminalité allait dépasser le terrorisme.
chose qui aujourd'hui est une réalité. C'est-à-dire que la cybercriminalité aujourd'hui, elle a plus de risques. Il y a plus de, je dirais, de risques liés à ça que le terrorisme en lui-même. Au niveau du continent africain, je pense que l'Afrique a ancré depuis quelques années une vraie dynamique pour pouvoir digitaliser, que ce soit ses services publics ou bien au niveau des différentes entreprises qui opèrent. Bien entendu, il y a une certaine disparité entre les différents pays, et j'en parle puisque aujourd'hui je représente une compagnie qui opère sur toute l'Afrique avec une présence dans plusieurs pays, mais on voit réellement, je dirais, une prise de conscience globale dans la majorité des pays africains. Avant de faire un focus particulier pour donner l'exemple et l'expérience marocaine au niveau de la stratégie de protection des données et de la cybersécurité de manière un peu plus générale. Mais il faut savoir une chose, que certes, il y a une prise de conscience, mais il y a un retard encore, puisque juste 15 pays africains ont pu mettre jusqu'à présent des stratégies nationales de sécurité des systèmes d'information. Et uniquement 18 pays sur les 52 ou les 55 pays ont pu avoir des centres pour pouvoir détecter et faire des réponses par rapport aux différentes attaques qui peuvent émaner. Donc, on a quand même un gap assez énorme, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de pays qui sont un petit peu encore à la traîne pour différentes raisons, que ce soit d'un point de vue organisationnel, politique, économique, etc. etc. Mais un autre élément qui donne quand même de l'espoir, c'est que l'Union internationale des télécommunications sort un baromètre chaque année pour voir un peu l'état des lieux de la cybersécurité au niveau des pays, pour savoir un peu les différents engagements organisationnels d'un point de vue arsenal juridique, d'un point de vue technologique, ce que ces pays-là ont pu faire. Et dans l'édition de 2020, ce qui en sort, c'est que 50% quand même des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord ont gagné énormément de points, c'est-à-dire de places. Leur scoring a été amélioré nettement grâce à tous les efforts qui ont été consentis sur les trois dernières années. Je parle de pays comme le Bénin, comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, etc. Et au niveau des pays africains qui sont un petit peu en tête de peloton, on retrouve le Maroc et la Tunisie avec la 45e et 50e place. Donc, ce qui fait qu'il y a des efforts, il y a un niveau d'engagement qui est aujourd'hui assuré. Et maintenant, je fais un focus un peu plus particulier sur le Maroc. Effectivement, le Maroc, il a commencé sa roadmap par rapport à la digitalisation et par rapport à tout ce qui est attrait à la sécurité depuis assez longtemps. On remonte le temps depuis 1999, il y a eu 5 plans stratégiques pour le numérique au Maroc. Et en 2017, on a vu la création de l'Agence de développement du numérique, qui est un organe extrêmement important. Bien entendu, il y a d'autres organismes qui orbitent autour de cette agence-là, pour permettre un petit peu le développement de la confiance numérique, puisqu'aujourd'hui le Maroc s'est inscrit dans cette roadmap depuis déjà très longtemps, grâce bien sûr aux échanges qui se font avec les pays africains, mais également avec l'Union européenne, puisque comme vous le savez si bien, beaucoup de sociétés sont implantées au Maroc, et bien entendu, que ce soit de par les conformités par rapport aux normes qui sont exigées, etc. Donc il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait depuis très très longtemps. Bien entendu, il y a eu un accompagnement aussi par un arsenal juridique extrêmement puissant, puisque plusieurs lois se sont succédées et ils ont vu le jour pour pouvoir permettre d'avoir cette confiance numérique, mais également pouvoir opérer, que ce soit vis-à-vis des organismes publics, mais également de l'organisme privé, pour pouvoir un petit peu travailler la main dans la main, puisque aujourd'hui également, il y a des entités qui sont créées, que ce soit par exemple l'APB qui intervient de manière extrêmement rigoureuse pour pouvoir un petit peu, que ce soit fluidifier le travail auprès des organismes publics, mais également pour pouvoir sensibiliser par rapport à la nécessité de pouvoir digitaliser davantage nos services au niveau des entreprises. Il y a l'OSIM aussi, qui est l'Association des utilisateurs des systèmes d'information, qui intervient de manière extrêmement aussi dynamique avec des livres blancs, avec des conférences, avec un certain nombre, je dirais, d'événements pour pouvoir un petit peu, je dirais, prêcher ce discours, que ce soit par rapport à la digitalisation, mais également à l'aspect sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en train de faire croître
la digitalisation de nos services, de facto, on est en train de pouvoir également élargir le spectre d'exposition au risque. Et de fait, ça veut dire qu'on doit pouvoir gérer plus de risques, plus de vulnérabilités à faire. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend la période des 18 derniers mois avec la période de Covid, beaucoup d'entreprises, bien entendu, se sont vues obligées d'ouvrir leur système d'information vers l'extérieur, et c'est le cas également pour le Maroc. Et on a vu la flambée en flèche du nombre de cyberattaques, et notamment des cyberattaques de type ransomware, où la demande de rançon est devenue extrêmement, extrêmement importante, et c'est devenu un business extrêmement, extrêmement lucratif. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on a eu cette obligation au niveau du territoire marocain, avec les différents gouvernements qui se sont succédés, de pouvoir mettre en place tout un arsenal juridique pour protéger le citoyen marocain. Il y a eu aussi, bien entendu, la création de la CNDP, la Commission nationale de la protection des données personnelles, qui fait un travail extrêmement bien pour pouvoir promulguer également des lois relatives à la protection des données personnelles. Et bien entendu, l'ANRT qui joue aussi un rôle, malgré le fait que c'est un régulateur des télécoms, mais il orbite autour de l'écosystème des différents organes qui ont été créés, et également la DGSSI, hein, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information également, avec la Commission nationale de la sécurité des systèmes d'information qui ont vu le jour en 2011. Et bien entendu, la dernière loi, la 0520, qui a été votée en 2020, relative à la cybersécurité, pour pouvoir un petit peu donner un aspect, je dirais, de confiance numérique pour pouvoir faire les différents échanges, etc., comme j'ai dit, avec les différents partenaires, que ce soit locaux, mais également africains et étrangers au niveau de l'Union européenne et au niveau des États-Unis. Voilà donc ce que je peux dire sans rentrer un peu plus de détails pour laisser la parole aussi à mes collègues sur d'autres sujets à débattre. Merci. Oui, Chris, je t'en prie. Je voulais parler d'éducation et tu lèves le doigt comme à l'école. Quelle discipline, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, Chris, on t'écoute. On ne t'entend pas, Chris, tu es en mute. Mon ami, par rapport à la dernière loi sur la cybersécurité au Maroc, c'est peut-être en fait quelque chose qu'on ne met pas vraiment en avant, dans le sens où, justement, le Maroc, il est quand même pionnier en la matière. Donc, il y a eu la loi, et chose exceptionnelle en Afrique, la loi s'en est suivie, en fait, de l'application de la loi d'application de cette loi. Et dans le cadre, donc, de la loi d'application de cette loi, il a été nommé un responsable, je pense, un commissaire, en fait, à la mise en œuvre de cette stratégie. Ça suppose bien que le Maroc a bien compris les enjeux en nommant explicitement un responsable à qui reviendra justement dans les compétences, en fait, permettant justement de garantir la bonne mise en œuvre de cette stratégie, chose que dans nos états, en fait, qu'on ne fait pas. Donc, je titille un peu mon ami Wanilo en lui disant, bien sûr, au niveau, par exemple, de la loi numérique du Bénin, il est question de la mise en place de le Comité national de sécurité numérique qui, à ce jour, effectivement, n'est pas encore mise en place. Et ce qui, de mon point de vue, effectivement, constitue toujours une vulnérabilité malgré tout ce qui peut être fait en dessous. Voilà, donc c'est aussi s'inspirer des bonnes pratiques sur le continent africain. Merci, Chris. Monsieur Wanilo Jean, vous voulez peut-être apporter un point sur ce qu'évoquait Chrysostome à l'instant. Je vous ai vu acquiescer en ce sens. Donc, ce sont des choses qui vont arriver prochainement. Alors, je ne vais pas trahir de secret particulier en expliquant pourquoi ça n'a pas encore été fait. En fait, on essaye de donner encore plus de poids à cette entité, en vérité, parce que au moment où on a adopté cette stratégie, le gouvernement, ou en tout cas l'État béninois, a aussi, dans sa nouvelle constitution, adopté un Conseil national de défense et de sécurité. Donc, nos suggestions se sont plutôt orientées
dans la dynamique d'arrimer une branche numérique à ce Conseil national de défense et de sécurité qui est quand même au plus haut niveau de tout ce qu'on peut avoir en termes de défense et sécurité du pays, plutôt que de laisser un Conseil national de défense et sécurité qui est un peu en autarcie. Donc, en faisant ça, on l'aurait plutôt arrimé au plus haut niveau de décision possible. Donc, c'est dans ces ajustements-là qui font qu'on n'a pas encore officialisé de Conseil de sécurité numérique. Merci beaucoup pour cet élément de réponse et de précision. Je vous propose qu'on évoque un sujet, et c'est notamment l'une des questions qui nous est posée par l'un des participants qui a été soulevée tout à l'heure sur l'implication des entreprises à prendre en compte cette dimension cybersécurité, alors à la fois les accompagner, mais aussi quelque part les obliger. On sait aussi que l'obligation et la réglementation forcent évidemment la mise en place de différentes mesures. Si on reprend un certain nombre de chiffres qui ont été évoqués par Ernst & Young Global Limited dans le baromètre de la cybersécurité 2020, pour l'Afrique francophone, seulement 47% des entreprises disposeraient d'une stratégie de cybersécurité. À l'échelle de l'Afrique, 35% des investissements relatifs à la cybersécurité concernent la sécurité de l'infrastructure contre 14% dans le monde, mais seulement 5% des investissements sont dédiés à la protection des données personnelles. Là encore, on voit bien que beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. Comment est-ce qu'on peut accompagner dans chacun de vos pays les entreprises à investir plus en protection des données? Alors, investir, ça n'est pas que financier, évidemment. Il faut des moyens budgétaires, il faut des outils technologiques, mais aussi une formation. Et on sait très bien que l'humain est un élément essentiel dans cette prise en compte de cybersécurité. Comment est-ce qu'on essaye d'inverser la tendance des chiffres que je viens de donner dans chacun de vos pays? Je vous laisse prendre la main en fonction de voilà, qui veut s'exprimer sur ce sujet. Alors, M. Guy Germain et M. Nantral ensuite. Excusez-moi, je vais en décaler les... Je crois que pour renforcer la prise en compte de l'enjeu cyber au sein des entreprises, il y a quand même un élément clé, c'est la sensibilisation, en fait. Donc, il faut quand même pousser les entreprises à faire de la sensibilisation en interne auprès de leurs employés. Parce qu'il faut savoir que les enjeux cyber ont une réponse multi-acteurs. Donc, il y a la partie juridique, qui est la partie réglementaire. Il y a la partie administrative qui englobe tout ce qui est manuel de procédure à respecter. Et aussi la partie technique. Donc, les entreprises doivent aussi mettre des moyens sur la formation des personnels pour répondre à tous les incidents de type cyber qui puissent subvenir au sein de leurs entreprises. En fait. Vous êtes en mute, Mélanie. En fait, on... Alors, voilà. Donc là, vous devez m'entendre. Monsieur Nafal, on vous écoute. D'accord, merci. En fait, la question, elle est extrêmement... Pour moi, elle est centrale parce qu'aujourd'hui, le tissu économique d'un pays est composé de ses entreprises. D'accord. Vous prenez l'exemple du Maroc. Le SMB, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, représentent quelque chose comme 75%. D'accord, du tissu économique. Avant d'aborder un petit peu l'état des lieux au niveau des entreprises marocaines, grâce à des études et des baromètres qui ont été faits par plusieurs associations et organismes marocains, il est nécessaire de parler de quelque chose, puisque Cyber Security Venture a sorti aussi des indicateurs extrêmement, je dirais, alarmants, puisque aujourd'hui, chaque 11 secondes, il y a une cyberattaque qui est perpétrée. 11 secondes. Juste à titre comparatif, l'année dernière, c'était 38 secondes. Chaque 38 secondes l'année dernière, il y avait une attaque. Cette année, c'est chaque 11 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à une déferlante, je dirais, de cyberattaque qui va ne faire que s'accentuer davantage. Et c'est pour la raison pour laquelle les entreprises, je pense que dans la majorité des cas, sont conscientes du fait qu'ils doivent se prémunir et bien sûr, ils doivent intervenir sur plusieurs niveaux. Que ce soit d'un point de vue organisationnel, procédural,
technologique, mais également, bien entendu, se doter également, grâce à l'écosystème dans lequel il baigne, d'un arsenal aussi juridique, faire aussi des assurances. Aujourd'hui, des assureurs, aujourd'hui, sur le territoire marocain, proposent des assurances contre, par exemple, les cyberattaques, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de coûts sur lesquels il faut intervenir. Et si je prends juste également un autre aspect important, c'est que la taille moyenne, le coût moyen d'une attaque, d'une cyberattaque, est passé depuis l'année dernière, de manière, je dirais, générale, de 11,2 millions de dollars à 24,7. Encore une fois, l'aspect pécunier est extrêmement important, puisque, comme j'ai dit, les attaques, par exemple, de type ransomware, pourquoi il y a eu 400% de croissance sur le premier semestre de 2020? C'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un aspect financier extrêmement important et beaucoup de gens gagnent énormément d'argent avec ça, plus que, par exemple, le crime organisé ou autre. Donc aujourd'hui, on est face à une déferlante et c'est la raison pour laquelle plusieurs entreprises, maintenant je parlerai du contexte du Maroc, mais j'aborderai également d'autres pays, puisque aujourd'hui, Dell Technologies a sorti un baromètre pour l'année 2021 aussi, qui jauge un peu l'état de son... de la sécurité des systèmes d'information des entreprises. Il en ressort quand même, et ça c'est un peu alarmant, c'est que 68% des entreprises sondées ne sont pas confiants dans leur capacité de pouvoir se protéger contre des cyberattaques et dans la capacité de pouvoir retrouver un état normal de leur système d'information, c'est-à-dire une reprise d'activité normale. Ceci est assez alarmant parce que 68% versus 71% au niveau du baromètre de l'année dernière qui a été fait, ça montre qu'il y a de plus en plus un petit peu de, je dirais, de pessimisme au niveau des entreprises, mais ça laisse, je dirais, une porte ouverte à plus à une surface plus importante pour les cyberattaques. Maintenant, les entreprises ont pu, grâce à cette conscience, et c'est pour la raison pour laquelle je pense que le sponsoring doit venir de la direction générale, parce qu'il n'y a aucun responsable informatique tout seul dans son coin qui est capable un petit peu de pouvoir mettre en place une vraie politique de sécurité de système d'information avec tout ce que cela engage, parce que ça engage des aspects financiers, ça engage un capital humain, ça engage des formations en continu. Parce qu'on oublie une chose très importante, Mélanie, c'est que aujourd'hui, le niveau de sécurité et les dispositifs de sécurité qu'on mettait en place, par exemple, en 2017, n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de mettre sur 2021. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une certaine… Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. On a besoin d'un peu plus d'intelligence artificielle à intégrer dans les différents dispositifs de sécurité qu'on va mettre en place. Et même avec tous les dispositifs de sécurité, je donnerai juste quelques exemples concrets. Quand vous voyez que des grands noms au niveau du marché mondial se sont fait piéger avec des attaques récentes, et je ne prendrai que les 18 derniers mois, Travelex, AG Software, Steria, Garmin, FireEye, tous ces noms, vous pensez qu'ils n'injectent pas des budgets consistants d'un point de vue sécurité de leur système d'information? Oui, bien sûr, mais la faille vient, ou je dirais le maillon faible dans l'histoire, ça reste l'humain. L'humain, c'est-à-dire que l'utilisateur, l'employé de l'entreprise doit être sensibilisé régulièrement par rapport aux risques liés au fait qu'il ouvre un mail sans prendre conscience que c'est peut-être un mail qui n'est pas qui va enclencher derrière toute une attaque derrière, ou bien une pièce jointe, ou bien cliquer sur un bouton, etc. Donc c'est cette conscience collective des employés de l'entreprise qui doit se faire. Et c'est pour ça que on a vu des opérateurs télécoms de grandes envergures, des grandes banques également se sont fait piéger avec ce genre de choses, puisque l'humain reste quand même le maillon faible dans l'histoire. Donc, encore une fois, au niveau du Maroc, on a vu quand même une certaine prise de conscience collective. Plusieurs événements se sont succédés malgré le fait de la pandémie, mais virtuellement, comme ce qu'on est en train de faire, il y a eu beaucoup de choses pour pouvoir sensibiliser les acteurs. Les associations comme l'APBI, l'OSIM, etc., également ont sorti un certain nombre de livres blancs pour aider les entreprises avec des best practices, avec des recommandations pour améliorer le niveau d'efficacité de leur sécurité, de leur système d'information. Donc, la même chose au niveau du gouvernement, il y a également des choses qui sont en train d'être prises en charge, notamment aussi faire en sorte
que les filières de formation deviennent de plus en plus importantes. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même à avoir 10 000 ingénieurs par an pour pouvoir un petit peu aider à cette digitalisation que le Maroc s'est lancé depuis pas mal d'années. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Juste à titre indicatif, selon une étude récente qui a été faite, au niveau de l'Afrique, de toute l'Afrique, il y a un manque de 100 000 ingénieurs sur la partie sécurité. 100 000 ingénieurs. Pourquoi ? Parce que même le vivier dont dispose ce continent africain, et on a de bons skills, on a de bonnes compétences, malheureusement, le continent européen et le continent l'Amérique du Nord puisent dans ce vivier-là pour récupérer les bons éléments pour pouvoir travailler, parce qu'il y a aussi un manque très, très, très alarmant au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Nord, par rapport à la sécurité des systèmes d'information. Donc, non seulement notre capital humain n'est pas bien dimensionné pour pouvoir, je dirais, contrer cette croissance continue des cyberattaques, mais également, on doit faire en sorte que les filières des formations, que ce soit universitaires ou des écoles d'ingénieurs, doivent intégrer un cursus dédié pour la partie cybersécurité de plus en plus. On l'a déjà, mais il faut encore mettre d'autres filières pour pouvoir avoir un capital humain bien dimensionné par rapport aux besoins du marché, parce qu'il y a une vraie demande dans ce sens. Et on voit un certain nombre quand même de sociétés marocaines qui rayonnent au niveau africain, mais également au niveau de l'Europe, grâce à ces compétences sur la partie cybersécurité, qui interviennent pour pouvoir certifier un certain nombre de systèmes d'information, que ce soit, par exemple, du PCI DSS pour les banques ou autres. Donc, je pense qu'on a enclenché quelque chose. Il reste encore du travail à faire sur l'ensemble des pays. La Tunisie, également, elle est sur une bonne lancée. Donc, il y a des choses aussi qu'elle est en train de mettre en place pour pouvoir améliorer également son capital humain, mais également l'efficacité de la sécurité des systèmes d'information de ses clients. Côte d'Ivoire, Sénégal et d'autres pays également du pourtour sont en train de mettre en place aussi des vraies stratégies pour pouvoir améliorer davantage la sécurité. Et on le voit même d'un point de vue business aujourd'hui, il y a aussi des data centers, vous en avez parlé tout à l'heure, Menali, qui offrent des services pour pouvoir outsourcer par exemple, toute la sécurité des systèmes d'information, puisqu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'investir d'un point de vue humain, d'un point de vue technologique. Donc, il y a des sociétés qui opèrent pour pouvoir offrir ces services de security as a service pour pouvoir rendre ce service à ces entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Naoufal. Alors, on vous parliez justement du Sénégal. Peut-être, monsieur Mbaye, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur ce sujet. Alors, je vais abonder dans le même sens que Naoufal. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure où on est en train de parler, il n'y a aucun pays du continent africain qui figure sur la liste des pays autorisés sur lesquels on peut transférer des données à caractère personnel par le RGPD. Déjà, ça, c'est un bon point de départ. Donc, il n'y a aucun pays africain qui figure sur cette liste-là, des pays où on est autorisé de transférer des données de l'Europe à ces pays-là. Donc, ce qui se passe, c'est que je vous laisse imaginer le manque à gagner par rapport à cela, en termes de business et d'opportunités de marché. Ça, c'est une première fixation qu'on doit se faire. Alors, la deuxième fixation, c'est par rapport à la manière dont la protection des données personnelles est perçue au niveau des entreprises. Ça, c'est le deuxième point sur lequel j'oserais parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la protection des données personnelles, de manière générale, est perçue comme une contrainte. Or, cette protection ne devait pas être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité. Pourquoi une opportunité? Si aujourd'hui le client est rassuré que ses données personnelles sont bien protégées, je pense que ça participe à la fidélisation du client. Si aujourd'hui un client qui veut venir dans votre entreprise également, et rassurer que cette entreprise est conforme au RGPD, ça renforce la confiance client. Donc, je pense qu'il y a le terme confiance qui est très important à mettre en exergue par rapport à l'application de la protection des données personnelles. La confiance client, la confiance également de l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise, parce que c'est important, que ce soit des actionnaires, que ce soit des sous-traitants, que ce soit des concurrents. Donc, la manière dont on met en place un système de management des données personnelles, c'est important pour gagner cette confiance-là. Alors, le dernier point sur lequel aussi également je voudrais parler,
c'est par rapport actuellement à tout ce qui se passe en termes de piratage, etc. Donc, si aujourd'hui le client est conscient que l'entreprise a mis en place des mesures de sécurité, des mécanismes de sécurité, que ce soit des mesures techniques et organisationnelles, qui lui permettent de garantir la protection de ses données, je pense que cela participe aussi pour lui à la maîtrise du cycle de vie de la donnée. Parce que chaque donnée a un cycle de vie. Et c'est cet aspect qui est important. C'est-à-dire, au lieu de percevoir cela comme une contrainte, chaque entreprise devait percevoir la protection des données personnelles comme étant une opportunité. Une opportunité pour attirer de nouveaux clients, une opportunité pour garder les clients actuels, une opportunité pour également faire du business avec d'autres pays, comme les pays de l'Europe, mais également une opportunité d'avoir la confiance des institutionnels. Après, aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, de manière générale, c'est qu'il n'y a pas cette contrainte d'imposer aux entreprises d'appliquer une loi ou des mesures de protection des données personnelles. Parce que si on avait cette contrainte comme on a en Europe avec le RGPD, où tu as un risque allant de 2% du chiffre d'affaires jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, si on n'applique pas les mesures idoines pour être conforme aux exigences du RGPD, je pense que là, ça pourrait être incitatif pour toutes les entreprises d'appliquer cela. Ensuite, le dernier point, c'est par rapport aussi à cette conscientisation, c'est-à-dire le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Je pense que c'est important pour les entreprises de savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de protection des données personnelles, on ne parle plus de contraintes juridiques, mais quels mécanismes organisationnels et techniques on met en place pour protéger les données de nos clients, de nos salariés, et afin de gagner leur confiance et de gagner aussi la confiance de l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de nous. Voilà. Oui. Et puis ensuite, d'autres sujets autour du citoyen, parce que c'est beaucoup de questions qui sont aussi posées par les intervenants sur comment est-ce qu'on suscite l'acceptabilité de l'ensemble de ces projets et donc comment est-ce que vous communiquez, vous informez le citoyen sur ces sujets de protection des données, puisqu'on sait que s'ils n'ont pas confiance, ils n'utiliseront pas les services. Et donc, finalement, tout ce qui aura été mis en place ne sera pas utile ni utilisé, ce qui est un peu le problème aujourd'hui de ces grands projets qui peuvent parfois un peu effrayer entre Big Brother ou Tout Open. C'est quand même un sujet qui est débattu. Chris, tu voulais peut-être réagir et puis ensuite, on évoque ce point citoyen. Ok, merci Mélanie. Je pense que je vais résumer tout cela en une phrase et puis ça permettra aussi donc d'enclencher sur la deuxième partie. Ce que je veux dire concernant donc la prise en compte en sensibilité au niveau des PME et PMI, et ça a toujours été donc mon combat et puis je pense que c'est aussi dans l'art de faire la cybersécurité. On ne peut pas faire la cybersécurité, en tout cas la protection des données, sans une implication politique au plus haut niveau. Et je pense qu'avec Africa Cybersécurité, nous avions été donc partenaires du dernier forum paix et sécurité en Afrique, où justement, il y avait donc dans l'atelier sécurité numérique, la question avait été posée, quelle était la priorité pour la sécurité numérique en Afrique. Nous, de notre côté, la réponse elle était claire, la priorité, c'était d'abord la sensibilisation des politiques aux enjeux de numérique et de sécurité. Parce que la protection des données, elle est consécutive, en fait, donc, à la transformation digitale qui, elle-même, en fait, est un programme de société qui doit être porté par un leader politique. Dès l'instant où le leader politique est au fait, en tout cas, des enjeux, je pense qu'à partir de là, il y a une nécessité de mettre en place une stratégie sur le long terme, parce que même le court terme, en fait, eh bien, ça se prépare sur le long terme. Donc, c'est vrai qu'en l'absence d'une stratégie nationale, les PME, quelque part, sont livrées à elles-mêmes, parce que quelque part, les PME, si elles doivent travailler pour, bien sûr qu'elles travaillent pour leur propre compte, pour faire du bénéfice, mais cela doit être fait dans le respect des règles établies au sein du pays et surtout aussi dans le respect de la gestion de la chose, du bien commun.
Et le garant du bien commun, je pense qu'en fait, c'est l'État et ce sont les dirigeants. Donc, c'est pour ça, je répète, Adi, voilà, il faut d'abord commencer par sensibiliser les dirigeants. C'est ce que nous avions fait jusqu'à ce jour, qui nous a mené jusqu'à Brazzaville. Bon, maintenant, je pourrais déjà introduire en disant, finalement, comment impliquer le citoyen, en fait, à cette problématique, étant entendu que ce sont des projets structurants, qui sont très lourds. Mais ma réponse aussi, elle est tout aussi simple, parce qu'en la matière, il y a des domaines dans lesquels, effectivement, on ne s'improvise pas expert. Le danger avec le numérique, donc le web, c'est que tout est accessible à portée de clic. Et à partir de là, en l'absence d'un cadre juridique, donc d'une stratégie clairement définie et acceptée par tous, eh bien, c'est chacun qui, du jour au lendemain, se déclare expert et à partir de là, est dans une logique qui des fois, est complètement contraire à la bonne pratique. Donc, mais il y a une manière de faire, il y a une technique qui est là, qui permet justement à ce que le citoyen puisse s'impliquer directement donc dans cet écosystème-là. Bon, moi qui suis, bien sûr que j'ai longtemps vécu en Europe, mais ça fait 10 jours que je suis en Afrique, au Congo-Brazzaville, et bien j'ai à vous dire que ce que je découvre, C'est tout le contraire en fait de tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut penser vis d'Europe, puisqu'ici la jeunesse a cette envie effectivement d'aller vers le numérique, mais à ce moment-là il faut qu'il y ait des compétences qui des fois qu'on les trouve pas, parce que il faut aussi mettre le prix pour faire venir les compétences, et à partir de là je pense qu'il y a une dynamique qui est mise en place pour que la population s'imprègne de cela. Je répète, c'est-à-dire pour ma conclusion, que cette technique, pour que la population puisse s'imprégner, que les citoyens puissent adopter la bonne posture, ça ne s'improvise pas. À la limite, ça s'apprend et ça s'acquiert aussi au fil du temps. Donc, les experts, il y en a. Il faut aller les chercher. Une fois qu'on a trouvé les bons experts, je pense que l'accompagnement se fait naturellement. Merci, Chrysostome. Monsieur Noyer-Legiron, vous vouliez réagir? Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, globalement, je voulais rebondir sur l'intervention de Monsieur Mbaye par rapport au GDPR et aux pays africains qui ne sont pas autorisés. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un problème de confiance ou en tout cas d'implication ou de considération de l'Europe vers l'Afrique, peut-être parce que ce ne sont pas les cadres qui manquent en Afrique. Donc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du code du numérique au Bénin, qui est, quand vous faites l'analyse comparative, je crois à au moins 80-90%, les dispositions sont les mêmes entre le GDPR et le livre 4 du code du numérique qui traite de la protection des données personnelles. Les dispositions sont les mêmes. Les sanctions des entreprises sont là. Donc, aujourd'hui, c'est une obligation pour les entreprises calculées sur leur chiffre d'affaires, les obligations de déclaration, des brèches, etc. Tout est assez conforme au GDPR. Cependant, ce n'est pas pour autant que le Bénin s'est retrouvé automatiquement autorisé au niveau des pays africains. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème, de toute façon, qui est un problème constant, hein, de considération des plus forts vers les plus faibles. En parlant des PME, c'est vrai que, par exemple, dans notre stratégie, on n'a pas d'axe principalement spécifiquement pour les PME, mais il y a une petite difficulté. En tant qu'État, est-ce qu'on peut vraiment tout imposer aux entreprises? On peut répondre oui, mais je vais donner l'exemple au Bénin de ce qu'on a essayé de faire. Déjà, ceux à qui on impose quelque chose, c'est les chaînes d'information de l'État, au travers d'une politique de sécurité des chaînes d'information de l'État. Ensuite, il y a les infrastructures critiques. Donc, à ce moment, que vous soyez privé ou public, là, vous représentez un intérêt particulier pour le pays. Donc, vous avez des obligations et l'État vous accompagne dans la mise en conformité à ces obligations-là. Parce qu'on n'est pas là avec seulement un rôle de bâton, on est quand même là aussi pour emmener les gens, les sensibiliser. C'est vrai qu'il y a des actions vers le grand public, tels que les guides pendant la période COVID pour travailler en toute sécurité, les guides d'hygiène et ces choses-là. Mais
Au niveau de la politique de sécurité et saine d'information de l'État, un des grands principes est de dire, et c'est ce qui est fait pendant la vulgarisation de cette politique, de dire qu'on encourage les entreprises privées à s'inspirer de cette politique-là et que nous leur offrons du support pour l'élaboration ou la validation de leur politique. Nous n'avons pas assez de ressources humaines pour aller au secours de tout le monde, mais nous sommes toujours là et ouverts et disponibles pour accompagner, pour apporter notre expertise et encourager un maximum d'entreprises à avoir une politique de sécurité qui leur convient, qui convient à leur métier. Au sein de cette politique-là, on a aussi adressé le problème des ressources humaines. Donc, dans la stratégie, c'est vrai qu'on a tout un axe développement des compétences, où il y a la création d'un master de cybersécurité, de la formation continue en cycle court pour sortir rapidement quelques des experts sur la cybersécurité. Mais dans la politique de cybersécurité, ce qu'on a mis, par exemple, il y a des obligations, par exemple, d'audit à faire par les entités concernées. Et ces audits doivent être faits par des entités qui sont connues de l'État et nous les appelons, c'est une sorte de qualification, les fournisseurs de services de sécurité numérique qualifiés. Donc, une fois qu'ils sont qualifiés, justement, mais pour être qualifié, en fait, il y a des obligations telles que si vous êtes une boîte étrangère, 30% de vos experts doivent être béninois. Donc ça, non seulement, en fait, c'est des dispositions pour forcer déjà le besoin, parce que même si on formait des experts en cybersécurité, ils vont finir développeurs web ou maintenanciers réseau. Donc, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin de cybersécurité. Donc, grâce à des politiques comme ça, on va créer le besoin au niveau au moins des entités de l'État de besoin de consommer des services de sécurité numérique. Et quand il s'agira donc de faire intervenir les entreprises auront donc comme obligation d'embaucher, de certifier et de maintenir sur le territoire de la compétence pour pouvoir accéder à ces marchés-là au niveau de l'État. Donc, ça, c'est pour le point précédent. Et si, Mélanie, vous m'autorisez à embrayer sur la question que vous avez posée sur comment est-ce qu'on informe le grand public. Donc, encore une fois, on a un axe qui est la promotion de la confiance numérique. Donc, effectivement, nous, on se rend compte que tous les investissements qui sont faits au niveau du Bénin, de l'État pour dématérialiser l'administration et toutes ces choses-là, on ne veut pas faire d'éléphant blanc, on ne veut pas faire d'éléphant blanc, sachant qu'on a d'abord à faire face à l'illettrisme numérique des populations. Donc, on essaie à chaque fois de trouver des méthodes hybrides. L'exemple, c'est quoi? C'est que si on fait, on dématérialise un service, et que on s'attend à ce que toute la population puisse y accéder depuis un ordinateur, ce ne sera pas possible. Donc, on utilise des points de relais communautaires dans les communes où les gens peuvent se rendre et ils ont des kiosques, n'est-ce pas, du service public dématérialisé où ils peuvent faire leur transaction en passant par un agent qui va lui faire les clics dans l'interface et délivrer le service à la personne. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut vraiment qu'on puisse aller vers la confiance numérique, c'est-à-dire que les citoyens doivent pouvoir aller consommer ces services dématérialisés tout en étant confiants. Donc, il y a quelques outils pour ça, comme les services de confiance électronique, signature électronique, etc., pour garantir la fiabilité des transactions. Mais il y a aussi, donc, sur l'axe 4, la culture de la sécurité numérique. Et là, on y va à fond sur la sensibilisation. Donc, dans la sensibilisation, il y a un aspect de qu'est-ce que nous faisons pour vous sécuriser. Et c'est pourquoi dans l'axe 5, où on coordonne au niveau national, on associe aussi les journalistes, les étudiants et les organisations de la société civile pour régulièrement les informer de ce qui est fait. Même si c'est vrai qu'en termes d'action, on peut faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais dans l'axe où on parle de la culture de la sécurité numérique, on organise... ça sera la première édition cette année, une campagne sur 3 mois de sensibilisation dans plusieurs langues, sur plusieurs canaux, à l'adresse de la population sur la protection de l'enfance en ligne, les dangers du cyberespace, la cyberescroquerie et comment l'État est là pour les aider. Parce que, par exemple, il y a des gens qui se font arnaquer, qui ne savent même pas qu'il existe un office central de répression de la cybercriminalité. Donc, faire connaître ces entités de l'État pour que désormais les gens soient quand même plus informés et plus en confiance à aller vers le numérique qu'ils consomment. Merci. Mélanie, pour sauter sur le sujet, comment on informe le grand public, également, enfin, je vais parler de l'Association panafricaine pour la cybersécurité, dont je suis
le président. En fait, l'association panafricaine pour la cybersécurité, c'est une association qui regroupe les experts africains en cybersécurité. Donc, de l'Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, on est présent dans 20 pays, jusqu'aux Comores même. Et l'objectif de cette association, c'est de porter cette parole cyber en Afrique et de contribuer à la sensibilisation des dirigeants. Donc, si vous allez dans nos pages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur LinkedIn, on organise régulièrement des workshops, c'est-à-dire des ateliers de travail entre experts pour faire monter en compétence des experts africains. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose est qu'on organise, on a un espace de partage de documents où, par exemple, un RSSI du Mali a besoin d'un plan directeur, il vient directement pour demander, on lui file ça. Il a besoin, par exemple, de la norme ISO 27001, voilà, etc., etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'organisation de webinaires. On a organisé depuis le début de l'année 5 webinaires portant sur tout ce qui est souveraineté numérique en Afrique, tout ce qui est arnaque à la nigérienne, voilà, plusieurs sujets, tout ce qui est protection des systèmes bancaires en Afrique, etc., etc. Et je pense que ça contribue à porter la parole africaine et ça contribue également au renforcement de la sensibilisation. Si je vois le nombre de personnes qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit sur, on est 200 personnes là, et que ce soit sur Facebook, on est suivi par 600 personnes, etc. Donc, je pense qu'il y a un éveil de conscience qui est en train de monter en Afrique et je pense que des associations comme cela et l'ensemble aussi des activités qui sont organisées vont participer à cet éveil de conscience africaine en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. Merci beaucoup pour cet élément. Alors, peut-être un point sur les technologies qui permettent d'assurer cette protection des données, puisqu'on a beaucoup parlé de l'humain, évidemment, il est central et vous l'avez évoqué. Beaucoup de formations en devenir, de sensibilisation qui irriguent l'ensemble des citoyens, qui sont donc aussi, à ce titre, pour certains d'entre eux, parfois à la tête d'entreprise. Et donc là, ils ont aussi un rôle de diffusion au sein même de l'entreprise. Mais chacun des acteurs est aussi un professionnel, un salarié, un collaborateur. Et donc, chacun doit évidemment... je sais qu'en France, chez nous, Guillaume Poupard, qui est notre directeur général de l'ANSSI, dit « tous responsables ». Et finalement, c'est bien ça. Chacun de nous peut jouer un rôle clé en matière de cybersécurité. Peut-être donc un point sur les technologies. On imagine, alors l'intelligence artificielle, ça a été évoqué, le machine learning. Il y a évidemment la blockchain, le edge, puisque aujourd'hui, c'est beaucoup donc les data centers. On parle de cloud, on parle de edge, on se projette un petit peu à horizon 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies? Quelles sont-elles? Comment est-ce qu'elles peuvent permettre d'assurer une protection et donc d'être aussi un des éléments de cette chaîne de confiance numérique qu'on évoque depuis tout à l'heure? Peut-être, Naoufa, vous voulez aborder ce sujet pour nous? D'accord. Ben, merci. Merci pour cette question qui est extrêmement importante. Parce que, en fait, la sécurité, elle est en fait répartie sur plusieurs couches. On parle de technologie, effectivement, parce qu'en fait, il y a trois éléments qui représentent un petit peu la pyramide pour pouvoir permettre de se prémunir contre un petit peu les risques cyber, les cyberattaques et tout. Donc, il y a les hommes, on en a parlé, donc tout ce qui est attrait aux formations, sensibilisation, etc. Il y a les process et les procédures, et il y a la technologie. Donc, si on fait un zoom particulier par rapport à la technologie, la technologie, comme vous le savez, elle évolue en fonction de l'état d'évolution aussi de la cybercriminalité. Et on le sait tous, c'est-à-dire on est tous unanimes, que les cyberattaques se sont sophistiquées au fur et à mesure des années et tout, surtout durant les 5 dernières années. On se rappelle tous de la fameuse attaque qui a été perpétrée en 2015, fin 2015, chez Sony. C'était un cas d'école. Mais depuis, je peux vous dire qu'il y a eu des attaques beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiquées que celles qui ont été perpétrées en 2016 chez un certain nombre d'autres acteurs, que ce soit des organismes publics, comme ce qui s'est passé au niveau du département du commerce aux États-Unis. La récente attaque aussi, depuis quelques mois, sur la société qui gère les viaducs et les pipelines au niveau des États-Unis. Durant cette pandémie, on a assisté même à des attaques dans des centres CHU. En France, il y en a eu
trois CHU qui ont été visés, alors qu'on est en train de, je dirais, de sauver des vies humaines, et on trouve le moyen de pouvoir un peu mettre à l'arrêt tout le système d'information de ces centres hospitaliers. Donc, la technologie derrière, bien entendu, plusieurs acteurs, je ne parle pas que de Dell Technologies, mais plusieurs acteurs ont également développé tout un arsenal technologique pour pouvoir accompagner. Et la sécurité, en fait, il faudra un petit peu la diluer, parce qu'elle n'est pas sur un point unique, mais la sécurité doit être diluée depuis le edge, c'est-à-dire on parle des endpoints, et aujourd'hui, plus que jamais, on ne parle plus que des laptops, desktops qui sont utilisés par les utilisateurs, mais vous savez aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres, sensors électroniques avec des adresses IP, donc ça veut dire qu'ils sont hackables, on peut les pirater, qui sont utilisés dans divers secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le forage, les mines, etc. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faudra absolument sécuriser. Donc il y a la partie endpoint avec tout un arsenal, pas seulement de l'antivirus, mais aussi des solutions de filtrage, anti-spam, anti-spyware, un certain nombre d'éléments. Vous avez également toute la partie core qui représentait un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, les data centers, c'est-à-dire l'épine dorsale où on va trouver l'ensemble des datas qui vont être traitées, stockées et gérées pour pouvoir les sécuriser. Donc ça aussi, c'est un énorme travail qu'il faudra faire à ce niveau-là. Bien sûr, avec toute la sécurité périmétrique, hein, je ne parle pas que de classique, à savoir les doubles cascades de firewall, les solutions de filtrage URL, les solutions de les sondes de détection d'intrusion, les solutions de corrélation des logs, etc. Tout ça, c'est nécessaire, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a vu ce type d'attaque de plus en plus, malgré la présence de ce type d'équipement. Aujourd'hui, juste pour faire aussi une similitude par rapport à ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue, hein. Et c'est pour ça que malheureusement, la cybercriminalité n'a pas de frontières. Elle peut être partout, donc quelqu'un qui est assis derrière son poste au niveau du dark web, peut-être assis dans un pays à 10 000 km, est capable de lancer une attaque chez nous, ici, juste à côté. Donc, aujourd'hui, il y a des frameworks, comme par exemple NIST, qui prévoient, en fait, des best practices pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir surveiller, détecter, fixer et recouvrer les différentes datas des différentes entreprises. Je pense que vous êtes tous au courant de la dernière réunion aussi que Joe Biden a fait avec les grands noms, je dirais, les fameux GAFA, qui sont un peu les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft. Et vous imaginez un président des États-Unis réunir en urgence ces grands noms du marché de l'IT, et c'était pour une simple question de cybersécurité. Bien sûr, la cybersécurité nationale pour les États-Unis, mais également avec les différents partenaires également des États-Unis. Et c'est là où on a vu un Microsoft proposer d'investir 20 milliards sur les 5 prochaines années, Amazon qui va ouvrir son code pour la partie sécurité au grand public alors que c'était privé et il n'allait pas le proposer, prendre un Google qui va injecter 10 milliards sur les 5 prochaines années. Donc, imaginez tout cet argent, tous ces investissements-là qui sont orientés uniquement pour améliorer l'efficacité de la sécurité pour les différentes plateformes qui sont utilisées un petit peu partout. Donc, pour faire un retour par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au niveau du territoire, par exemple, marocain, aujourd'hui, sans aucune distinction, tous les ministères, les différents offices au niveau, je parle des entités gouvernementales, ont sorti depuis, et comme je l'ai dit, depuis cette pandémie, sur les deux dernières années, des budgets extrêmement importants pour la sécurisation davantage de leur système d'information, avec l'amélioration des différentes couches, les différentes couches que j'ai citées tout à l'heure, qui vont au-delà du poste de travail, mais également au niveau du data center. Et aussi, il y a des organismes publics qui ont mis en place des clouds pour consolider en fait les données, des citoyens, que ce soit pour, par exemple, du ministère des Finances, pour donner cet exemple-là. Et il y a eu également, la présence d'un certain nombre d'opérateurs qui ont proposé et qui ont mis en place aussi des clouds publics pour pouvoir assurer des fonctionnalités ou des services de protection des données, genre du backup as a service, de l'infrastructure as a service, de la plateforme as a service, afin de pouvoir
accentuer le niveau de sécurité pour ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le faire on-premise, ces jeux. Donc, aujourd'hui, il faut avoir une multistratégie, que ce soit par rapport à la hybrid cloud, c'est-à-dire que des entreprises vont avoir une partie de leurs données chez eux, donc il faudra les sécuriser, mais ils peuvent également déporter une partie des données au niveau d'un cloud public. Bien entendu, aujourd'hui, en Afrique, et c'est ce qui nous un petit peu réconforte, c'est que il y a, malgré le fait que les data centers africains représentent moins de 10% des data centers mondiaux, mais il y a une avancée quand même. Il faut rester dans cette, je dirais, optique d'optimisme, puisqu'on est en train d'investir. Il y a des programmes publics-privés qui permettent un petit peu de mettre en place. On a vu aussi le Sénégal qui a mis en place un data center souverain. Au niveau du Maroc, il y a plusieurs, que ce soit public, mais également le monde du privé, qui ont mis en place des clouds publics et un certain nombre de services. Donc, ces technologies-là doivent absolument être mises en place. Mais, encore une fois, ceci n'est pas suffisant. Ce n'est pas en mettant en place ces composants qu'on va se dire « c'est bon, on a terminé ». Non, il faudra absolument s'assurer de la mise à jour de l'ensemble de ces composants-là, parce que c'est les failles et les vulnérabilités qu'on détecte au niveau de ces différents composants-là qui font, je dirais, des heureux moments pour ces hackers pour pouvoir pénétrer ces systèmes d'information et pouvoir assurer ces attaques-là. Un autre point aussi qui a été aussi, Wanilo en a parlé, c'est qu'il faut de manière régulière assurer des audits de sécurité, faire des pen testing, parce que le niveau de sécurité que on va pouvoir tester aujourd'hui peut être différent, comme j'ai dit, avec les changements qui peuvent s'opérer au niveau du système d'information. Donc, il faut des audits de sécurité régulières pour pouvoir tâter et je dirais, connaître un peu l'état de santé de la sécurité du système d'information. Voilà. Beaucoup. Alors peut-être Monsieur Guy Germain, évoquer avec vous ce qui se passe au Congo, puisqu'on parlait de data center et effectivement il y a un data center national qui est mis en place. Il y a aussi un centre d'excellence en matière d'intelligence artificielle. Alors je ne peux pas citer l'ensemble des projets de chacun de vos pays, mais en tous les cas ce sont deux des points majeurs que l'on peut peut-être évoquer dans le cadre de cette discussion. Oui, moi je pourrais dire que d'une manière globale, s'il faut aborder la notion de données du point de vue du Congo, nous avons un data center national qui est en plein déploiement. Tout est mis en place depuis un certain temps pour qu'il soit opérationnel et que ça puisse servir à l'ensemble de la population et à tous les ministres, toutes les institutions d'une manière générale. Alors, je voudrais quand même rebondir à un moment donné aussi sur les différents outils pour assurer la protection des données personnelles, parce que j'ai pris un peu du retard pour répondre à cela. Je pense que d'une manière globale, les États doivent intégrer la cybersécurité dans leur politique et dans leur stratégie d'une manière globale. Et ils doivent aussi vulgariser auprès de la population les consignes minimales en termes de sécurité ou de cybersécurité. Ils doivent aussi penser à promouvoir la recherche en matière de cybersécurité et surtout intérioriser que numériser sans protéger, c'est courir beaucoup de risques, en fait. Comme ça, pour ça, il faudra quand même savoir que le numérique, sans penser à la sécurité, ça peut vite rimer à un cauchemar. Alors moi, j'aurais une proposition à faire en termes de solutions technologiques et en termes de gestion de ressources pour répondre à ces gens de problèmes qui touchent à la protection des données, c'est que aujourd'hui, les pays africains doivent aussi penser à former leurs enfants. Former beaucoup plus surtout aux technologies liées à la sécurité de l'information. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on doit être en mesure de répondre rapidement aux incidents de cybersécurité. Tout ce qui touche à la cybersécurité, il y a aussi le volet dissuasion qui compte aussi. Donc, un pays qui est reconnu, doté d'une certaine capacité à répondre aux incidents, peut être dans une certaine mesure à l'abri de certaines attaques parce que les malveillants savent que de ce côté-là, une réponse ou une identification de la source peut être faite dans un délai très court, en fait. Donc, pour dire un peu plus, c'est que autant nous avons des militaires physiques qui protègent nos frontières, autant mettre en place aussi
des gens, des ressources humaines, des professionnels en mesure de répondre lors des incidents. Donc, les gens qui font de l'offensive security aujourd'hui sont nécessaires pour nos pays. C'est ce que je pourrais ajouter. Alors, merci, Monsieur Guy Germain. Je souhaitais qu'on revienne peut-être sur un des points qui était évoqué tout à l'heure. On parlait des GAFAM, on parle de l'hégémonie aussi des BATX, hein, où là, on passe de l'autre côté et sur le continent, évidemment, asiatique. Il y a évidemment un enjeu géopolitique très fort. Vous parliez tout à l'heure de la réunion ordonnée imposé par Joe Biden, et on a très bien compris ce qu'il se tramait derrière. L'actualité qui s'ensuit au niveau international nous fait bien comprendre ce qui est en train de se passer. On voit ce jeu des plaques qui est en train de s'opérer. On sait que le continent africain fait l'objet aussi de très nombreuses convoitises parce qu'il y a un espoir aussi très fort. On parle souvent Afrique Horizon 2050 avec beaucoup, beaucoup d'ambition, et on voit bien ce qui s'opère aussi. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Wanilo Jérôme, des partenariats que vous avez avec la Chine. Alors là, je reprends peut-être ma vision d'européenne où chez nous, les débats sont très vifs sur ces thématiques. Alors à la fois l'extraterritorialité avec nos alliés d'un jour américains et dans une relation du « je t'aime moi non plus » qui est toujours un peu compliquée, et puis avec la plaque asiatique et notamment la Chine, où il y a effectivement des débats très forts puisque nous n'avons pas culturellement la même approche en termes de protection des données, en termes d'éthique. Il ne s'agit pas de prendre position sur laquelle est la bonne, nous avons chacun la nôtre et c'est ce qui fait notre richesse aussi de la pluralité des cultures. Mais comment est-ce que vous vous positionnez à travers notamment ce partenariat que vous évoquiez? Est-ce que vis-à-vis des citoyens, vous pouvez avoir aussi des questionnements, des réticences? Qu'est-ce que vous leur dites? Effectivement, nous n'avons pas échappé au fameux « oh là là, vous mettez notre sécurité dans la main des Chinois ». Ils vont tout nous espionner, ils vont tout pomper toutes nos données, etc. Bon, c'est normal, c'est la perception instinctive du public. Quand on reprécise des choses, c'est un partenariat, un partenariat d'abord basé sur l'échange de données. Je m'explique. C'est pas comme si on allait prendre des sondes venu de Chine, qu'on avait déposé dans tous les backbones au Bénin pour que finalement ils puissent être en mesure de tout pomper. Je te disais tout à l'heure, on est fort de ses amis. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on nous dit au Bénin, un serveur d'une banque est attaqué par une adresse IP venant de Japon. Notre force à nous en tant que ANSI, en tant que CERP national, c'est d'avoir un contact au travers du FIRST, par exemple, ou de l'Africa CERP, si c'était au Mozambique, pas d'accord, un contact dans ce pays-là à qui nous pouvons parler et qui, dans les heures qui suivent notre échange, est capable de couper l'accès à l'Internet de ce serveur. C'est ça notre vraie force. Donc, aujourd'hui, quand on sait qu'un très, très grand volume des attaques viennent de Chine, je vous laisse imaginer la capacité que ça donne au Bénin d'avoir un partenaire central comme le CERT chinois, d'accord, comme qui est le centre de coopération des activités de cybersécurité. La force que ça nous donne à nous, quand on aura des serveurs attaqués au Bénin par la Chine, de les avertir et de leur dire « attention, cette IP vient de la Chine ou bien c'est un VPN qui est utilisé en Chine, etc. » pour qu'ils puissent rapidement nous aider à juguler l'attaque déjà à leur niveau. Et que nous ayons en avance de phase, donc les attaques qu'eux, ils ont référencées, que ça nous soit communiqué et que nous, on fasse la même chose, les attaques que nous avons détectées dans nos honeypot, etc., leur soient communiquées pour que ça puisse renforcer leur propre sécurité à eux. Donc, c'est le principe de cet échange-là et que nous voulons complètement dépolitiser par rapport au jeu géopolitique. Nous, en tant que technicien, guillemets, on veut d'abord sécuriser les cyberespaces et on s'arrête à ce niveau-là. Si, donc, vous voyez, les sujets que je viens d'aborder ne sont pas des sujets qui nous emmènent forcément à toucher la donnée du citoyen, parce que nous contrôlons l'information qui est transmise aux partenaires, n'est-ce pas, et vice-versa.
Donc, je pense que c'est un partenariat vers lequel nous allons sans grande peur de violer les données de nos citoyens. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite évoquer ce point? Oui, Monsieur Naoufal. Alors, effectivement, c'est une question assez gênante, si j'ose dire, parce que je représente quand même une société américaine, mais je vais être le plus neutre possible dans ma réponse, d'accord? En fait, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, effectivement, l'Afrique est au centre d'une convoitise entre que ce soit les États-Unis avec ses alliés d'un côté, mais également la Chine. Et on le voit à travers des choses très très, pratiques. C'est que aujourd'hui, il y a un leadership des sociétés américaines sur tout ce qui est infrastructure de contenu, etc. C'est-à-dire, je parle des Microsoft, des AWS, des Google Cloud, etc., etc. Des acteurs comme IBM, Dell, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi un leadership aussi de la Chine, avec sur toute la partie téléphonie, par exemple, téléphonie mobile et infrastructure télécom. Donc, effectivement, c'est une guerre. C'est tout à fait normal, puisque on parle quand même d'un continent où le GDP aussi d'un certain nombre de pays sont extrêmement élevés, donc la croissance est là, donc il y a un intérêt quand même pour ce pays à travers les différentes ressources qu'il peut avoir, que ce soit des ressources naturelles, mais également les ressources humaines, capital humain et le business aussi qui est en train de faire. Mais, et aussi, je vais le dire et je vais être très, très honnête avec vous, c'est-à-dire qu'il serait utopique de notre part de parler de souveraineté absolue au niveau du continent africain. Mais je pense qu'il est possible, avec une meilleure symbiose, une meilleure collaboration entre les différents pays d'Africains, d'arriver à faire des choses africaines, c'est-à-dire modéliser ce qui existe au niveau international, que ce soit par rapport à des normes, que ce soit par rapport à un certain nombre de solutions, mais pouvoir un petit peu les rendre avec une sauce africaine. C'est possible parce qu'on a le capital humain, on a la volonté, il y a la croissance des pays. La seule chose qui reste à faire, c'est encore faire en sorte qu'il y ait encore plus d'unité entre les différents pays africains, avec plus de coopération, parce que je pense que chaque pays peut tirer énormément de retours d'expérience. Le Maroc peut tirer énormément du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, Côte d'Ivoire, de la Tunisie. Donc, et inversement, c'est la même chose. Donc, en ayant, une meilleure symbiose, une meilleure coopération, on va pouvoir, bien entendu, continuer à coopérer avec les différents acteurs qui sont des mastodontes, et on n'y peut rien. Il y a une longueur d'avance technologique qui fait que de toute façon, on est obligé de pouvoir utiliser ces technologies-là, mais je pense qu'on peut le faire avec, comme je dis, une certaine sauce africaine pour garder quand même un certain contrôle, une certaine, une partie de la souveraineté africaine. Voilà ce que je peux apporter par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Naoufal. Est-ce que vous souhaitez réagir, Monsieur Baye, pour le Sénégal ou Monsieur Guy Germain pour le Congo, ou Chris, qui, je l'espère, est encore avec nous? Oui. Est-ce que l'un de vous souhaite aborder ce sujet de l'extraterritorialité, notamment, qui pose un certain nombre de sujets, hein. En Europe, on a eu l'arrêt Schrems II, qui a aussi donné un certain nombre d'éléments. Chris, est-ce que je vois que tu lèves la main, tu es en mute. Merci Mélanie. Je pense que je vais compléter les réponses données donc par nos amis. C'est vrai que concernant l'extraterritorialité, et déjà avant toute chose, je vais revenir un peu plus en arrière dans le sens où tout à l'heure lorsqu'on a parlé. Est-ce que l'État devrait imposer, on a utilisé le mot imposer, mais je pense qu'il faut partir de là. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'imposer, mais c'est plutôt, en fait, le rôle de l'État, c'est de protéger sa population, tant dans le monde physique que dans le monde cyber. Et lorsqu'on parle de protéger, d'une certaine manière, c'est protéger les populations les plus faibles et surtout être le régulateur d'une concurrence loyale, tant par rapport aux acteurs locaux, que les acteurs, en fait, à l'international. Donc, ça, c'est déjà pour la première des choses. Et concernant l'extraterritorialité, je pense qu'au-dessus de l'extraterritorialité, et lorsqu'on parle de la protection des données des citoyens, je pense que la question, elle n'est pas seulement technique,
mais bien au-delà de la question technique, en fait, elle est même politique, sociale et puis diplomatique. Et lorsqu'on arrive au niveau diplomatique, de toute façon, on y inclut tout de suite la notion donc du risque, le risque pays, sachant que le risque au niveau d'une, le risque au niveau d'un citoyen, au niveau d'une PMU et puis au niveau de l'État, les risques ne sont pas perçus de la même de la même manière. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, en fait, ben, comme je l'ai dit au début, on est dans une guerre informationnelle. Et surtout avec la COVID, toutes les cartes ont été remises à zéro. À partir de là, c'est déjà se poser la question, ben, quel est le modèle vers lequel l'Afrique souhaite y aller? Je pense qu'on a été tout à fait clair, nous tous là-dessus. Mais ce qui, de mon point de vue, ce qu'il faudrait, c'est que l'Afrique apprenne à parler d'une seule voix. Parce que déjà, en matière de stratégie, arriver en retard comme l'Afrique l'est aujourd'hui, c'est déjà un handicap. Et de surcroît, arriver en ordre dispersé, suivant la maturité des uns et des autres, ça en rajoute en fait ben, un déficit, de toute façon, qu'on aura du mal à rattraper. L'extraterritorialité, ça fait partie d'une stratégie. Okay? Aujourd'hui, les États africains, ils sont tous souverains. Bien sûr, la souveraineté numérique est là à prendre au conditionnel, mais par ce déficit-là, c'est aussi un challenge, un gros challenge pour les pays africains à surmonter cela, puisque ça participe à l'innovation, et l'innovation, en fait, ben, c'est ce qui aussi fait, qui va dans le sens de la création de la valeur. Mais pour terminer, je dirais, l'extraterritorialité, bien sûr, OK, mais quelque part, en fait, ça procède de l'analyse de risque. Parce qu'aujourd'hui, je le dis comme ça, ça n'engage que moi. Donc, lorsque le Bénin, sur le plan technique, justement, donc, va s'associer avec un pays tiers qui, elle, a déjà, en fait, là, toute une stratégie vis-à-vis de l'Afrique, pas seulement du Bénin, vis-à-vis de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas, en fait, laisser une porte ouverte à faire entrer le loup dans la bergerie? Voilà toute la question, je pense que... Et ça, c'est une question qui doit interpeller tous les dirigeants, tous les experts africains, dans ce sens où, de toute façon, si on veut démarrer et si on veut atteindre les objectifs du calendrier Afrique 2063, je pense qu'il y a un mindset qu'il faut changer, de sorte, tant que faire se peut, à parler d'une seule voix. La technologie, aujourd'hui, de toute façon, on ne va pas revenir, la technologie, elle est suffisamment mature. Ça, on ne va pas revenir. La technologie est suffisamment mature. Sauf que la technologie, c'est une production humaine. Et comme c'est une production humaine, à un certain moment, il faut qu'elle soit conforme, en fait, aux aspirations et aux aspirations de chaque pays. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Mélanie, ton micro n'est pas activé. Quand je l'active, il y a un petit temps de latence. Comme quoi, au-delà de la cyber, nous avons encore travail à faire. La partie infrastructure. C'est un sujet qu'on a abordé aussi avec d'autres panélistes. Vous souhaitiez rajouter un mot, peut-être, Monsieur Mbaye? Oui, effectivement. Alors, je vais juste redire la phrase du général de Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, et il y a de cela quelques années, le journal Le Monde avait titré que le siège de l'Union africaine a été espionné par la Chine, un siège qui a été offert gratuitement à l'Union africaine. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir en termes de géopolitique et en termes aussi de déséquilibre concurrentiel par rapport à d'autres continents ou par rapport à d'autres acteurs économiques qui ont un intérêt pour l'Afrique. Alors, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect que je voudrais aborder en ce sens, c'est de voir comment l'Afrique peut faire partir de cette compétition dans la cyberguerre. Il y a Obama, dans un discours de la Maison-Blanche, qui disait que la cybersécurité, la prospérité de l'Amérique passera par la cybersécurité. Pour vous dire aujourd'hui l'importance que des acteurs comme les États-Unis, la Chine, la Russie accordent à la cybersécurité. Je vais vous parler de quelques projets que les acteurs transnationaux comme Facebook, Google, ont en Afrique.
Par exemple, il y a Facebook Free Basics in Africa. Ce projet a été interdit en Inde parce qu'il enfin, y a enfin, un article que Mark Zuckerberg avait publié en s'interrogeant sur le fait que est-ce que l'accès à Internet est un droit humain. Et après cela, ils ont lancé le projet Free Basics in Africa. Ce projet est présent aujourd'hui dans 30 pays africains. Et l'objectif latent qui est derrière, c'est de dire permettre aux Africains d'avoir accès à Internet, qu'il y ait plus d'accès à Internet en Afrique. Mais dans des pays où la démocratie n'est pas assez avancée, où on parle de certaines dictatures, etc., on peut s'interroger, par exemple, des organisations comme Internet sans frontières se sont interrogées sur le fait que est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce que les droits humains seront respectés, est-ce que les droits des personnes à être propriétaires de leurs données personnelles et à avoir cette maîtrise dans leurs données personnelles sera respectée. Il y a aussi le projet de Facebook, d'un câble sous-marin, tout Africa. Voilà. Ensuite, il y a un autre projet de Google qui s'appelle Digital Skills for Africa. Tout ça peut nous montrer l'intérêt que l'Afrique suscite aujourd'hui en termes de digitalisation et en termes de cybercriminalité et de cyberguerre. Donc, je ne vais pas trop avancer sur le sujet parce qu'on a déjà tout dit, mais le plus important pour moi, c'est de parler d'une seule voix. Et cela va être porté au niveau de l'Union africaine. Quand je vois ce qui se passe au Bénin, je suis très content que Oanilo soit là parce que voilà, dans notre association, on a des Béninois. Et voilà, là, il y a une compétition d'ailleurs internationale qui a été organisée et le Bénin est arrivé en premier. Enfin, de hacking en cybersécurité organisé par l'ONU. Je suis content de toutes les activités et les efforts qu'ils font au Bénin, etc., et au Sénégal et dans d'autres pays. Mais je pense que l'Afrique gagnera à mutualiser l'ensemble de ces efforts-là et de parler d'une seule et unique fois. Et ce genre d'initiatives en font partie, voilà, d'autres initiatives aussi en font partie, et je pense que c'est l'Union africaine aujourd'hui qui doit, un, parler d'une seule voix, deux, avoir plus d'impact par rapport aux règlements qui sortent, parce que si on parle de la convention de Malabo, depuis des années, on en parle. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui l'ont ratifié. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette dimension contraignante. Tant qu'on n'a pas cette dimension contraignante, on ne pourra pas avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'Afrique n'est pas préparée, on sera encore derrière et on va parler des ruptures. Alors, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les autres intervenants. Non, alors, on est là. On est là. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va voir pour que Monsieur Mbaye réinitialise sa vidéo. Ok, je suis là. Moi, je suis là. Bon, Chris est là aussi, c'est parfait. Alors, on a beaucoup de questions. Il nous reste un petit quart d'heure avec notre public hein, qui est très nombreux. Vous l'avez vu à la fois via Zoom et puis retransmis en direct sur Facebook. C'est la force de la communauté de Africa Digital Expo. On va essayer de répondre à quelques-unes de ces nombreuses questions. Il est notamment demandé pour la RDC ce qui est fait pour renforcer l'alphabétisation numérique des citoyens. Quels sont les projets qui sont portés? Alors, actuellement, au niveau du pays, nous avons des structures comme l'Institut africain de cybersécurité et des infrastructures qui vient d'ouvrir ses portes. J'ai une invitation ici, donc nous allons recevoir, des citoyens congolais et même plus, parce que le projet va s'étendre dans plusieurs pays de la sous-région. Le projet est soutenu activement par le ministère du Numérique. Ça permet quand même déjà de donner des bonnes notions de base et même des notions très avancées en termes de cybersécurité, de cyber-risque. Ça nous permet de... Déjà même au niveau des universités aujourd'hui, dans le programme de l'enseignement, nous avons pour les cycles de licence des options spécialement dédiées à la cybersécurité comme à l'université de protection de Tokongo, là où j'enseigne comme assistant.
Donc, le problème est pris au sérieux, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Guy Germain. Une question pour Monsieur Fagla, qui vous est adressée. Quelles sont les attaques les plus récurrentes au Bénin donc aujourd'hui, et quelle est notre force de contre-attaque si un jour la Chine nous laisse? Je pense que c'est un compatriote qui s'exprime. Si un jour la Chine nous laisse, alors si la Chine nous laisse, ce ne sera pas très grave. Parce que, enfin, le partenaire en question date d'il y a, je ne sais pas, trois semaines. Les actions de mise en place débutent à peine. Donc, non, notre sécurité n'est vraiment pas basée sur la Chine. Donc, je le répète encore une fois pour espérer que même les sachants qui sont ici puissent le comprendre. Ce n'est pas la Chine qui fait notre sécurité. Vraiment, c'est important. Parce que, alors, pour rassurer peut-être les gens, on a le même partenaire avec l'Anti-Tunisie. On a le même partenaire avec l'ANSI Burkina Faso. On parle beaucoup avec l'ANSI France. On échange avec plein de pays dans ce sens-là. Donc, non, notre sécurité, c'est nous-mêmes qui l'assurons tout d'abord. Et les attaques les plus courantes au Bénin. Les attaques les plus courantes au Bénin, je vais demander, c'est qui la cible. Chaque cible, son type d'attaque. Si je vais penser aux citoyens, les citoyens, malheureusement, ils se font plus... attaqués par des virus qu'ils ignorent eux-mêmes. Ce sont des virus qui exploitent la ressource, c'est-à-dire que finalement, les ordinateurs vont être verrouillés et utilisés comme des relais pour les spams, des relais pour les DDoS, etc. Donc, ils sont attaqués, infectés, mais ils ne sont pas au courant. Les citoyens sont aussi menacés par beaucoup, beaucoup d'arnaques, la cyber-escroquerie. Une des attaques les plus courantes actuellement, enfin des arnaques les plus courantes actuellement, qui vise les Béninois, les citoyens béninois, c'est ce qu'on appelle le sextorsion. Le sextorsion, c'est je vous emmène à vous dénuder, je filme en me faisant passer pour une jeune femme qui fait de même, et ensuite j'enregistre et je vous menace, et là vous devenez la vache à lait, vous devez payer tout le temps, sinon je diffuse. Ça, c'est ce qui concerne les citoyens. Les entreprises. Alors, je vais parler des entreprises qui nous font des remontées. Il s'agit du business email compromission. Pour parler des attaques sérieuses, hein. Sinon, généralement, il y a toujours des virus un peu partout. Mais l'attaque sérieuse qu'on a beaucoup remarqué, c'est les business email compromission où les pirates arrivent à s'insérer dans une chaîne de discussion et interviennent au moment où ils vont faire un paiement et disent « Ah, bah finalement, ce paiement, envoyez-le plutôt sur ce nouveau compte. » D'accord, nous avons changé de compte bancaire, envoyez-le plutôt sur ce compte-là. Et pour en arriver là, ça veut dire qu'ils ont déjà pu pirater les systèmes au moins de mail de l'entreprise, qu'ils ont pris la connaissance des processus, qu'ils ont compris les mails d'échange entre la comptabilité et les fournisseurs, et qui sont allés créer des noms de domaine qui se rapprochaient à un tiret près ou à un N qui devient un M, qui se rapprochaient du nom du fournisseur, et qui sont intégrés dans cette chaîne de mails pour se faire passer comme le fournisseur authentique. C'est une des attaques qui court aussi. Sinon, globalement, ce qu'on voit, c'est souvent les attaques de brute force classiques sur les serveurs qui sont automatiquement mis en ligne. Donc, ces attaques de brute force ne sont pas très dangereuses parce que une fois qu'on a mis en place les bonnes politiques par rapport aux mots de passe, par rapport aux limitations de nombre de tentatives, etc., on est rapidement mis à l'abri avec quelques outils automatiques, des pare-feux, tout ça qui vous permettent de bloquer automatiquement ce genre d'attaque un peu basique. On a aussi, nous n'avons pas été à l'abri des ransomware, donc on a quelques exemples de ransomware qui sont arrivés, qui ont touché des entités de l'État. Ce qu'on peut féliciter, là où on peut se féliciter, c'est dans la capacité de réactivité heureusement, c'est arrivé parfois quand il y avait des backups ou bien on a pu reconstruire les bases assez rapidement avec des bons processus, etc. Il faut dire que ce que moi, j'ai remarqué aussi, et c'est souvent même coordonné au niveau régional, c'est les casses de banques virtuelles. Les casses de banques virtuelles, c'est assez intéressant. Les méthodologies des cybercriminels sont assez intéressantes.
Il faut noter qu'il y a toujours, ou bien dans 90% des cas, l'insider qui est impliqué, c'est-à-dire l'employé interne qui est complice. Donc, un employé interne qui ne maîtrise pas la chaîne de bout en bout, à qui on demande de faire une action précise. Voilà, lui, il fait cette action et à partir de là, les autres commencent à faire, à utiliser avec beaucoup d'intelligence, il faut le reconnaître, et à sortir de l'argent des banques. Ils frappent les opérateurs, etc. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles nos entreprises ont de plus en plus, doivent de plus en plus, c'est même pas une recommandation, doivent commencer à renforcer. Par exemple, quand vous intervenez sur un système comme ça après un casse et que vous arrivez, vous découvrez qu'il n'y a aucun système de journalisation, qu'aucun parfum n'a aucun log, d'accord, votre investigation devient de la magie. Vous ne pouvez pas faire de magie s'il n'y a pas de traces. D'accord. Donc, globalement, il faut vraiment que constamment, on mette en œuvre les processus pour que même si le cas arrivait, qu'on puisse quand même retracer les choses comme il fallait. Voilà. Mélanie, juste, je voulais juste intervenir pour ajouter quelque chose à ce que Wanilou vient de dire. C'est que effectivement, ce qu'on trouve maintenant aussi, et ce qui représente un peu la difficulté pour pouvoir aussi contrer quelques attaques, c'est que l'entreprise ou les responsables ne vont même pas s'apercevoir qu'ils ont été infectés. Et le temps moyen, aujourd'hui, il est estimé à 180 jours, c'est-à-dire entre le jour où l'attaque va se perpétrer, il va y avoir 180 jours. Ces 180 jours vont permettre aux hackers ou bien les personnes qui veulent faire cette attaque d'étudier en profondeur le mapping, toute l'architecture interne, etc., pour pouvoir que le jour J, ils vont pouvoir activer leur attaque, etc. Donc, et c'est là où le rôle, par exemple, de l'INSI, etc., c'est de pouvoir faire ce monitoring en continu, cette surveillance en continu, afin de pouvoir se prémunir et détecter en amont ce genre d'attaque pour pouvoir les arrêter avant qu'elles... Voilà. Alors, on a une autre question du public qui revient sur la sécurisation des applications mobiles, puisqu'on sait qu'il y a une couverture, évidemment, en termes de smartphones, notamment en Afrique, qui est très, très importante et c'est l'un des outils aujourd'hui principal qui est utilisé. On voit beaucoup se développer alors la e-santé, l'identité numérique, du e-gov, du e-voting aussi, puisque notamment au Bénin, c'est d'actualité. Les usagers utilisent leur smartphone avec des applications qui génèrent et qui diffusent énormément de données, qui ont besoin de beaucoup de données pour fonctionner. Comment est-ce qu'on aborde cette dimension au sein des différents pays que vous représentez? Je peux apporter une partie de la réponse en ce qui concerne. En fait, je pense qu'on était tous, on a tous suivi un peu l'actualité ces derniers temps pour parler du fameux Pegasus, hein, qui a fait beaucoup couler d'encre, puisque ça a fait couler l'encre, puisque pas mal de grands noms de la planète supposent qu'ils ont été un peu, suivis et avec des écoutes sur un certain nombre de choses. Effectivement, le mobile aujourd'hui s'impose encore plus en Afrique, puisque aujourd'hui, avec le mobile banking aussi, qui représente, juste à titre d'exemple, hein, un chiffre qui me revient en tête, la part du PIB générée par tout ce qui est autour du mobile banking en Afrique en 2019 représente quelque chose comme 110 milliards. 110 milliards de dollars. C'est extrêmement… 144 millions de dollars, beaucoup plus pour pouvoir dire que ce n'est qu'une partie qui est utilisée par les plateformes mobiles. Sachant qu'aujourd'hui, dans tous les pays africains, le taux de pénétration est quand même assez élevé. La plupart des pays l'utilisent. Au Kenya, avec le M-Pesa, donc, on utilise de plus en plus, beaucoup plus le téléphone qu'autre chose. Donc, il s'avère nécessaire et je dirais extrêmement important de pouvoir sécuriser aussi cette partie-là qui rentre un petit peu dans ce qu'on appelle les endpoints aussi, au même titre qu'un laptop, qu'un desktop, etc. Le téléphone aussi est un élément, je dirais, qui doit être sécurisé. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent en fait, genre du MDM, c'est-à-dire du Mobile Device Management, qui permet un petit peu de s'assurer de, je dirais, des mises à jour régulières sur le téléphone pour pouvoir,
éviter d'avoir des attaques qui puissent prendre, parce qu'on peut aussi se faire piéger et avoir un téléphone qui va être utilisé à son insu pour pouvoir soit faire un petit peu des écoutes ou bien également récupérer de la data au sein de sur ce téléphone-là. Donc, il existe des solutions. Bon, bien sûr, elles ne sont pas très, très répandues, mais je pense aussi que le rôle aussi des opérateurs télécoms est important, plus la sensibilisation aussi de l'utilisateur. Parce qu'un citoyen lambda qui va utiliser son téléphone, grâce à quelques petites manipulations, il peut renforcer davantage son téléphone sans pour autant, je dirais, atteindre le niveau, je dirais, professionnel, mais au moins compliquer la vie à celui qui va vouloir prendre un petit peu la main sur ce téléphone-là pour pouvoir un petit peu lui rendre la vie un peu difficile. Mais effectivement, le téléphone, le mobile, de manière générale, représente quand même une de plus en plus, hein, vu l'utilisation grandissante, et surtout sur le continent africain, représente quand même une porte dérobée pour pouvoir y accéder. Et quelquefois, on va y accéder à travers ce mobile pour accéder même aux différentes applications du système d'information d'une entreprise, puisque aujourd'hui, tout le monde utilise son mobile. Moi, j'ai presque toutes mes applications que j'utilise au quotidien, je peux y accéder à travers le mobile. Donc, effectivement, il doit y avoir une réflexion un peu plus approfondie de la entreprise, mais également une sensibilisation du citoyen lambda par rapport à ces risques-là. Voilà. Peut-être un dernier mot sur le e-voting avec vous, Monsieur Wanila Jérôme. C'est quelque chose qui est au cœur de l'actualité du Bénin. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'États, puisque il en va à la fois de l'accessibilité au système et au régime démocratique et donc une inclusion pour l'ensemble des citoyens, mais aussi évidemment une garantie en termes de sécurité qui sera absolument essentielle pour respecter effectivement cette voie de la démocratie, des démocraties qui sont aussi un peu en danger sur notre planète. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce sujet du e-voting au Bénin? Alors, au Bénin, sur le e-voting, nous avons eu deux bonnes expériences. Et nous les avons cantonnées aux élections, disons, corporatistes et consulaires. Donc, la première tentative s'est déroulée, a eu lieu au moment du vote des conseillers de la Chambre du commerce et de l'industrie. Et à ce niveau-là, nous avons, ça, c'est toujours un processus qui s'est toujours fait manuellement, avec tout ce que ça entraîne comme difficultés logistiques. Mais nous avons du coup mis en place une plateforme avec un partenaire, je crois que c'est un Européen, avec un partenaire, donc une plateforme de vote. Alors, je fais la différence entre le vote électronique et le vote à distance. Donc, le vote électronique, c'est ce qu'on a aux États-Unis. Vous vous rendez quand même dans un centre de vote et vous votez sur une machine. Mais le vote en ligne, c'est vraiment de votre lit que vous pouvez mettre votre vote. Bien entendu, ça a levé beaucoup de peur. Donc, on a eu ce cas-là au niveau de la CCIB, donc la Chambre des commerces. Mais on a eu aussi l'expérience au niveau des élections professionnelles, donc tous les syndicats et tous les travailleurs publics comme privés. C'est surtout, même au niveau du public comme privé, des élections professionnelles qui a eu des levées de boucliers, des gens qui se sont dit, mais attention, nous, on a des syndicats qui ne sont pas du tout pro-gouvernement, vous allez utiliser ça pour nous, pour modifier les résultats. Vous savez très bien que, je sais pas moi, deux tiers des gens ne pourront pas utiliser ça parce que c'est compliqué et qu'on ne sait pas utiliser le numérique chez nous. Le leadership est resté ferme. C'est le mode qui est adopté. On y va, vous mettez tout en œuvre, on applique. Finalement, fin résultat des courses, le syndicat le plus opposé au gouvernement est venu en tête et il n'y a pas eu de magouille sur les résultats. Les résultats ont été assumés globalement. Enfin, donc, ça a été la preuve que c'est quand même neutre et objectif. Et finalement, c'est plus d'un taux de participation de, je ne sais pas, plus de 70%. Je dis peut-être une bêtise parce que le chiffre n'est plus très clair, mais la taux de participation était excellent. Les votes ont été émis en moins de 3 minutes pour la plupart des personnes. Et finalement, les personnes qui étaient vraiment apeurées ne cessaient de nous féliciter pour cette nouvelle méthode qui avait finalement facilité pour eux les élections et leur avait offert une expérience complètement nouvelle et efficace. Donc, pour l'instant, la question n'est pas du tout, en tout cas au Bénin, au niveau des élections
du gouvernement, donc communal, législatif ou présidentiel, la question n'est pas du tout soulevée. Mais sur tout ce qui est corporatiste, où le gouvernement doit investir généralement beaucoup d'argent pour organiser des élections, je pense qu'on va de plus en plus aller vers ces plateformes-là de vote en ligne qui, finalement, nous offrent pas mal de garanties. Et ce ne sont pas des plateformes qui sont mises en œuvre par l'État béninois. Donc, bon, ça, bien heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est quelque chose qui rassure les gens. Et globalement, nous, en tant qu'agence en charge de la cybersécurité, on a aussi un cadre légal qui régit les prestations de services de confiance avec un organe au niveau du ministère, avec la PDP. Et, toutes ces entités-là se penchent sur la plateforme pour valider d'abord son intégrité, enfin les capacités d'intégrité qu'elle offre pour chaque vote, son indépendance, la protection des données personnelles qui en est faite, etc. Et donc, à ce moment-là, une fois que tous ces quitus sont acquis, c'est seulement là qu'on accepte d'utiliser cette plateforme pour ce but-là. Donc, il y a pas mal de garde-fous quand même qui sont mis en place pour ce genre de plateforme à utiliser dans les élections d'un certain type. Voilà pour l'expérience du Bénin. Merci à chacun de vous. Alors, vous l'avez constaté, hein, nous arrivons au terme de cette session. Alors, ça n'est évidemment pas une fin en soi, puisqu'on aura le plaisir de vous retrouver pour bon nombre d'entre vous avec un public toujours aussi fidèle lors de APID 2021, cette édition tant attendue après ces mois où la pandémie nous aura empêchés de nous voir et de débattre en présentiel. Donc, après ce webinaire, on aura le plaisir de poursuivre ces échanges et ce sera donc le 9 et le 10 décembre donc à Marrakech, organisé par l'excellente équipe de e-conférence que je remercie à nouveau pour nous avoir tous réunis, pour réunir un public aussi fidèle, je le disais, pour suivre nos échanges et pour nous mettre à disposition tous ces outils techniques qui nous permettent à travers les différents continents d'être connectés. Merci beaucoup à chacun de vous. Monsieur Wanilo Jean, vous vouliez... Oui, je viens de lire encore qu'on nous demande comment on peut prétendre être indépendant en ayant notre infrastructure installée en Chine. Je répète, nous n'avons rien installé en Chine et la Chine n'a rien installé au Bénin. Le message est pourtant simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on sait effectivement que c'est toujours un sujet, mais on y reviendra à Marrakech. Ce sera donc l'occasion de rediffuser ce message qui a besoin d'être visiblement bien entendu. Merci à tous. Khadija, je vous laisse l'antenne. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de votre fidélité et très belle journée à chacun de vous. Merci beaucoup. Merci Mélanie pour ta brillante modération. Je remercie nos chers panélistes pour ce moment d'échange et d'interaction qui fut très, très riche. Je remercie également tous les participants qui ont suivi cette lourde conférence et qui ont posé énormément de questions, ce qui a contribué à la richesse du débat. Et je vous donne à mon tour rendez-vous pour la 15e édition de APID, les 9 et 10 décembre prochains. Je vous invite vivement à vous inscrire et nous rejoindre. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.